ex-muslim, le sage des apostats. On ne peut pas se répondre. C'est pas ma mission, c'est pas la vôtre sans doute. C'est une sunna, alhamdoulilah, mais stop. Lui qui dit que c'est bon, c'est un menteur. Sors-moi les derniers qui disent ça. Tu te fous de qui là? Je suis désolé, tu sers à rien. Ex-muslim. Allah. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va juste croire que c'est bon. Je suis désolé, tu sers à rien. Ex-muslim. Je suis désolé, tu sers à rien. Ex-muslim. Ex-muslim. Mais il est où le tronc d'Allah? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va juste croire que c'est bon. Ex-muslim. Donc moi, je pense pas que le créateur de cet univers a choisi ni Momo ni Lascar pour délivrer. Ex-muslim, le sage des apostats. On ne peut pas se répondre. C'est pas ma mission, c'est pas la vôtre sans doute. C'est une sunna, alhamdoulilah, mais stop. Lui qui dit que c'est bon, c'est un menteur. Sors-moi les derniers qui disent ça. Tu te fous de qui là? Je suis désolé, tu sers à rien. Ex-muslim. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va juste croire que c'est bon. Muslim. Je suis désolé, tu sers à rien. Ex-muslim. Je suis désolé, tu sers à rien. Ex-muslim. Ex-muslim. Mais il est où le tronc d'Allah? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va juste croire que c'est bon. Ex-muslim. Donc moi, je pense pas que le créateur de cet univers a choisi ni Momo ni Lascar pour délivrer. Bonjour tout le monde, bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc, est-ce que j'ai tout le monde en bas? Parfait. On va commencer à faire rentrer nos invités et nos collaborateurs. Premier, est-ce que tu es prête, Sheikha? Bonjour. Oui, bonjour Sheikha. Amir, bonjour tout le monde. Je suis là. Tu vas bien? Un peu grippé, mais ça va pas à terre. Tout va bien. Aïe. tous les apostats sont malades. Ils ont tous chopé le Covid. Il faut arrêter les bisous. Hein. Moi, je vous le dis. Depuis que vous avez quitté l'islam, il y a trop de bisous. Il y a trop de bisous. Voilà. C'est pour ça qu'on a quitté l'islam. C'est pour faire des bisous. Horatio, ça va? T'es là? Salut les apostats. Comment ça va? très bien. En tout cas, très belle coupe de cheveux depuis la dernière fois. Ils ont poussé. J'aime bien la photo. Ouais, j'ai un sponsor, Eden Shoulders. J'utilise mon abonnement. Meilleur client du mois. Je vais de suite, sans tarder, faire rentrer Neb et notre invité. Neb, es-tu là? Oui, je suis là. Bonjour les amis. Comment ça va aujourd'hui? Salut. Super, très content de t'avoir parmi nous pour la première fois en live. Oui. Donc c'est top. Merci beaucoup. En plus, t'as fait un super travail, un travail de collaboration, d'organisation, de mise en tout. Voilà, franchement bravo, ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, clairement, Neb, c'est l'épine dorsale là sur ce truc, franchement masterclass. Masterclass. Ah, merci beaucoup. Bon, de suite, notre invité. Bonjour à tous. Bonjour docteur. Heureuse d'être là parmi vous dans ce petit espace sympathique. J'étais impressionnée par l'introduction et vous avez fait ça magnifiquement. Bravo, je ne sais pas qui est l'auteur de... Oui, c'est vous, Amir. Bravo. Amir. Franchement, bravo. Bon, après, on travaille tous pour essayer d'améliorer visuellement ce qu'on fait. Et surtout, le contenu, c'est le plus important. C'est super. Très ravi, très content. J'ai loupé l'occasion la dernière fois de venir faire signer mon livre. Oui, tout à ouais. fait, ouais. Voilà, donc ça sera pour une prochaine fois. Ouais, j'espère. En tout cas, notre prochain TF Laïc Paris, j'en profite, ce sera le 11 décembre normalement.
l'adresse n'est pas encore finalisée. Nous aussi, ce n'est pas, c'est pas toujours très facile. 11 décembre. Je vous le dirai. Ouais. Ok, parfait. Bah, je vais, avant de démarrer, complètement, j'aimerais bien faire une petite intro. Bienvenue à tout le monde dans cette émission spéciale que nous avons préparée spécialement pour vous, pour discuter de plusieurs sujets. On va y arriver rapidement. Nous avons le privilège de recevoir Dr Florence Bergeau-Blackler, anthropologue française de renom. Je ne sais pas s'il y a vraiment besoin de te présenter, mais on va quand même le faire pour ceux qui ne vous connaissent pas. Chargée de recherche au CNRS, c'est ça ? Florence, vous avez consacré une grande partie de votre carrière à étudier les dynamiques complexes liées à la normativité islamique. J'avais vu aussi que peut-être le sujet de votre doctorat, c'était, vous pouvez me corriger, hein, c'était tout ce qui est hijab et ses influences, je ne sais pas, en France. Alors, précisément, c'était l'institutionnalisation du culte musulman dans un espace urbain, donc c'était à Bordeaux. Le début, d'accord, en fait, de l'implantation de l'islam à Bordeaux. D'accord. Du coup, vous êtes intéressé au mouvement salafiste, au marché halal, et plus récemment aux frères musulmans. Pas plus récemment, je pense que... Pas plus récemment, en réalité, j'ai toujours suivi les frères musulmans, mais je n'arrivais pas à savoir où ils se situaient, comment on les appréhendait. Mmh. C'est mon dernier livre qui m'a permis de tout mettre à plat et d'en faire la démonstration. Mmh. On avait bien affaire à du frère ici. D'accord. En tout cas, félicitations, parce que j'ai appris dernièrement que vous avez gagné le prix de la laïcité et sciences. Oui, c'est ça. Félicitations. Merci. Puis, comme on l'a cité, il y a le livre qui est sorti cette année, « Le frérisme et ses réseaux, l'enquête sur les frères musulmans ». Oui. Dans ce dernier ouvrage, vous approfondissez un peu cette enquête sur les frères musulmans, vous donnez plus de détails sur quelle est la dynamique de ce mouvement et les réseaux. Ce mouvement qui est croissant en Europe, et pas qu'en Europe, mais partout, qui touche le monde entier. En tout cas, pour moi, je suis à 30% de la lecture du livre et je trouve que c'est une lecture incontournable pour quiconque qui souhaite comprendre les enjeux actuels liés à l'islam politique sur le continent. Juste comme ça, pour ceux qui viennent d'arriver, les sujets qui vont être abordés ici, bah, bien sûr, le livre, le frérisme et ses réseaux. Puis après, moi, ça me tient beaucoup à cœur parce que c'est un sujet d'actualité pour nous, apostats, parce que le mouvement des apostats commence à prendre à avoir un peu plus de visibilité et on est souvent lié, mixé avec tout ce qui est blasphème et islamophobie. De la part de tous bords, que ce soit l'extrême droite, la gauche ou peu importe, on est souvent soumis à ces étiquettes-là, blasphème, islamophobie. Et puis après, on parlera de plein d'autres sujets. On fera aussi ce focus-là sur qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce mouvement des apostats et quel rôle on pourrait avoir. Et voilà, pour finir, nous sommes vraiment, vraiment ravis de vous avoir avec nous. Une experte aussi éclairante pour discuter de ces sujets cruciaux. Donc, sans plus attendre, corrigez-moi si j'ai mal fait votre présentation et complétez si besoin. Bah écoutez, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Juste un petit mot, jusqu'à quelle heure vous comptez tenir ce space ? Comment ça se passe ? Comment voyez les choses ? On a 2 heures maximum. D'accord. Moi, voilà. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire plus que 15h30. Très bien. Je suis vraiment désolée. J'ai un autre rendez-vous après. Et c'est vrai que quand on avait décidé ça au début, j'étais relativement libre. Et puis là, ces dernières semaines, après le 7 octobre, mes engagements se sont multipliés. Donc, je vais essayer de vous dire la même chose ou peut-être qu'on puisse aborder tous ces thèmes-là dans un temps un petit peu plus court, c'est-à-dire il nous reste 1h15. Mmh. Et je crois que c'est assez... C'est suffisant pour parler de ce qui me semble être important, en tout cas pour moi. Mais si jamais vous avez des thèmes que vous voulez que j'aborde plus rapidement et qu'on puisse en discuter, surtout arrêtez-moi. Je vous propose peut-être 10 minutes, un quart d'heure de présentation et après vous m'interrogerez sur les points que
que vous jugez utile, si ça vous convient. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, alors... Et comme vous avez dit, le temps sera largement suffisant pour aborder les sujets vraiment importants pour nous. Très bien, puis j'imagine que vous pouvez débriefer après entre vous. Tout à fait. En fait, ce livre que j'ai écrit, donc, qui est publié au mois de janvier et que j'ai pris à peu près 2 ans à écrire, c'est le résultat, alors même s'il s'appelle l'enquête, c'est beaucoup plus qu'une enquête, c'est le résultat d'une analyse approfondie de 3 décennies, en fait. La première fois que je rencontre les frères musulmans, c'est d'ailleurs sans le savoir, dans une mosquée bordelaise. Je m'attendais, alors j'avais commencé des études d'anthropologie après avoir eu une autre vie, on peut dire, d'informaticienne dans l'aéronautique, donc plutôt un côté scientifique, et là ça m'intéresse pas. J'ai envie de participer peut-être à quelque chose qui est de penser mon temps et d'agir dans mon temps. Et je m'engage donc dans l'anthropologie. Et parmi les sujets qui m'intéressent, c'est celui du hijab. C'est 3 ans après 1989, donc l'affaire de Creil. Et pour moi, c'est assez insuffisant ce qu'on en a dit. Finalement, je m'aperçois que on a regardé ça d'un point de vue strictement politique et on a affaire à des femmes qu'on n'entend pas beaucoup et qui ne s'expriment pas. Et j'essaie de comprendre en fait ce qu'il y a derrière ce phénomène-là, qui n'est pas encore très répandu. Hein, c'est vraiment le tout début. D'ailleurs, on n'a pas la moindre idée à l'époque de si ça va s'étendre ou non. C'est même presque une cause perdue. D'ailleurs, quand je propose ce sujet à l'université, on me dit « bon, écoutez, si ça vous amuse, mais enfin, dans 5-10 ans, tous ces enfants issus de l'immigration seront parfaitement sécularisés, on n'entendra plus parler de voile. C'est, enfin, si vous voulez, intéressez-vous à ça, mais bon. » Et donc, je commence par fréquenter une mosquée à Bordeaux, la mosquée Louda, qui est une mosquée récente, qui est tenue par des jeunes, plutôt des étudiants. Il y a beaucoup de femmes et puis il y a des étudiants qui étudient sur le campus de Talence, pas très loin. Et je commence à, voilà, je fais comme les anthropologues font, c'est-à-dire de l'observation participante, c'est-à-dire pas seulement poser des questions, mais participer aux activités, observer, poser des questions, et trouver un rôle, en fait, dans le jeu qu'on doit étudier. Et donc, assez rapidement, les femmes, puisque moi je suis une femme, donc je vais dans les cercles de formation des femmes, m'expliquent comment ça marche, ce que je dois faire, etc. Alors au début, je viens avec mon petit foulard, noué à la chrétienne, hein, puisque j'ai pas l'intention de me convertir, je suis là pour étudier, je veux pas, alors il y a la norme de pudeur à respecter, bien je la respecte, voilà, comme on arrive dans un milieu étranger auquel on s'adapte. Donc je suis les cours, je vais discuter avec elle, chez elle, etc. Elle me parle de l'islam comme quelque chose de tout à fait merveilleux, qu'elles ont découvert un petit peu comme des convertis. C'est ça qui me frappe. Je me dis, tiens, mais on a des populations issues de pays musulmans et elles m'en parlent comme si elles venaient de le découvrir. Donc ça, c'est la première interrogation. Et puis finalement, je m'aperçois qu'on n'est pas toujours dans la salle de prière, bien évidemment, qu'on va discuter. Et donc, je rentre désormais dans le lieu, la mosquée Bouddha, qui est plus qu'une mosquée, en fait, qui est un centre de vie, un peu où on vient discuter, échanger des recettes de cuisine, parler des enfants, s'informer et s'éduquer, apprendre l'arabe, bien sûr. Et donc, je me dis, ben, je vais rentrer, je rentre sans mon petit foulard à la chrétienne. Et là, je vois que ce geste déçoit beaucoup mes interlocutrices qui se disent, tiens, certes, elles s'intéressent un peu à la langue arabe, mais enfin là, on n'a pas réussi, on a dû louper quelque chose, elles sont un peu déçues. Et là, je commence à ressentir un peu les pressions. Je note ça dans mon petit carnet d'enquête, mais je continue malgré tout mon chemin. Et puis, bon, je vois, elles disent, voilà, si vous ne portez pas le voile, mais vous le porterez, Inch'Allah. C'est-à-dire, ce que vous ne faites pas maintenant, de toute façon, vous serez amené à le faire. Ce qui est quand même une contrainte qui, pour moi, me choque beaucoup, mais ça fait partie des choses que je note dans mon petit carnet consciencieusement, sans le juger, pour éventuellement le reprendre après. Et puis, bon, ben voilà, c'est comme ça que je vais rentrer dans ce milieu-là, que je vais me retrouver aussi à l'UOIF, au congrès du Bourget, et aussi vivre dans un espace qui me paraît être un espace totalement différent, une ferveur inédite que moi je n'ai jamais connue, un espace qui est, qu'on pourrait dire sectaire a priori, mais qui touche tellement de gens que ça ne peut pas être considéré seulement comme une secte. C'est,
c'est les mêmes musulmans que je côtoie tous les jours à l'école, dans mon milieu universitaire, mais tout d'un coup, qui dans certains milieux deviennent tout à fait autres. Et ça, ça me frappe énormément de voir cette... voilà, c'est alors la stricte division sexuelle. Voilà, c'est une métamorphose, la stricte division sexuelle. Et avec des explications du type, oui, mais non, mais ça, c'est parce que c'est la tradition, on a toujours fait comme ça, voilà. Et je sens qu'il n'y a pas de... Ça ne correspond pas, en fait, à ce que je ressens, qui me paraît plutôt le futur que le passé. Je vois aussi les jeunes filles qui chantent des chants pro-palestiniens, nettement guerriers. Je ne comprends pas l'arabe, mais enfin, je comprends des petites bribes, je commence à ressentir un peu ce qui se passe. Et ces filles qui chantent un peu à l'américaine, dans des chants guerriers pro-palestiniens, qui sont des chants antisémites, bien évidemment. Mais bon, je me dis, c'est... Et puis en fait, on me fait manger une nourriture que moi, je n'arrive pas bien à digérer, en réalité, déjà à l'époque. Comme quoi, ce que je vois n'est pas exactement ce que je vois. Voilà, et c'est ça en fait que je vais pendant des années, observer des choses qui ne correspondent pas à ce que je ressens, mais que je note scrupuleusement, en me disant pour plus tard, je verrai ce que je vais en faire. Donc, je ne suis pas dans une attitude de retrait où je me dis, ouais, je suis tombée chez les frères musulmans, ces gens qui veulent m'endoctriner, etc. Je le vois bien, mais ça fait partie de mon travail de l'étudier. Et effectivement, ils vont essayer de m'endoctriner. Sans bien sûr y arriver, puisque j'ai ce petit carnet qui me sert chaque fois à me déprendre du point de vue subjectif dans lequel on veut m'enfermer. Et c'est là, en fait, on peut dire que cette expérience-là a marqué toute ma vie professionnelle. Tant que je n'aurai pas compris ce qui se joue là, je ne pourrai jamais étudier ensuite le marché halal, ensuite les normativités islamiques, en me détachant de ça. En fait, quelque part, je refuse de me laisser endoctriner. Je fais de l'endoctrinement une observation, mais chaque fois que je le rapporte à l'université ou dans les journaux des études des sciences sociales, on me dit en fait que je n'ai pas vu ce que je devrais voir. C'est que je me retrouve de l'autre côté exactement dans la même difficulté d'arriver à dire il y a un milieu là qui est en train de se séparer complètement, qui est dans une espèce de ferveur et dans un espace que j'appellerai plus tard l'espace normatif du licite, du halal. De l'autre côté, on ne le comprend pas. On me dit que c'est moi qui est peut-être des restants d'extrême droite, vu mes origines. Peut-être que je serais quelqu'un qui, d'extrême droite, un peu islamophobe. On me renvoie toujours à ça, ce qui est évidemment très difficile parce que, au début, je me dis peut-être... Je me remets en question, qu'est-ce qu'il y a chez moi? C'est vrai que je suis d'une famille issue d'Algérie et de Tunisie, même si mes grands-parents ne m'en ont jamais parlé. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue là. Bon, au fur et à mesure du temps, je m'aperçois que non. Et en tout cas, vous étiez dans l'analyse de vos biais. Vous essayez d'écarter tous les biais. Je suis d'abord passée par le moment de culpabilisation aussi. Puisque de toute façon, j'étais islamophobe, que je devais travailler peut-être pour... la façon dont ils ont procédé pour essayer de m'écarter du terrain, quand ils ont vu qu'ils n'arriveraient pas à me faire entrer dedans et à me convertir d'une manière ou d'une autre, c'était de me faire passer pour la police, pour quelqu'un qui travaillait pour la police, et donc de rendre impossible toute enquête. Le téléphone arabe fonctionne très très bien, surtout à Bordeaux où les gens se connaissaient. Donc voilà, donc du coup je me suis tournée, quand j'ai vu que je ne pouvais plus avancer dans ce terrain-là, au bout d'un an, je me suis tournée vers l'étude du marché halal. D'abord j'avais ma thèse à faire, donc j'ai analysé le matériau que j'avais, et puis ensuite je me suis orientée vers la recherche sur le marché halal, qui m'intéressait bien parce qu'il était particulièrement islamophile pour le coup. Donc je suis passée par là, puis j'ai rencontré... Des gens qui m'ont dit non, effectivement, des gens haut placés. Enfin, c'est au moment où je soutiens ma thèse. Je ne me souviens plus de ce professeur qui me dit vous avez raison, continuez dans cette voie-là. Effectivement, il se passe quelque chose qui n'a jamais été étudié. Donc, je vais étudier dans le marché halal plusieurs années sans jamais obtenir le moindre financement. Donc, je vais détourner, essayer de travailler avec des vétérinaires, des gens qui travaillent sur les questions économiques.
des questions de bien-être animal, etc., qui me permettent d'accéder à des terrains auxquels je n'avais pas accès. Très difficile de rentrer dans un abattoir, très difficile d'assister aux négociations entre les chevillards, les responsables religieux, etc. Donc, je parviens à rentrer dans ces milieux-là en travaillant avec les vétérinaires, ce qui sera très, très intéressant parce que j'y trouve quelque chose que je ne soupçonnais pas, c'est le travail sur la norme. C'est-à-dire que quand je rentre dans un abattoir, on m'explique que ça, c'est la chaîne d'abattage islamique, c'est un rituel. On me dit, voilà, vous allez vers la chaîne d'abattage rituel. Et je vois un gars barbu qui égorge les animaux de la même manière que les autres, mais seulement la bête n'a pas été étourdie. Mmh. Et je lui dis, mais où est le rite? Où est le rituel? Là, il est sur sa machine, il fait son truc de d'habitude. Quand il est sur la chaîne halal, il fait comme ça. Quand il est sur la chaîne non halal, il fait la même chose, sauf que les bêtes ne sont pas étourdies. Donc, je me pose des questions. Mais c'est ça, le rituel, c'est un truc qui... Ah, l'arnaque. Enfin, ce n'est pas une arnaque, c'est simplement qu'on est en train de fabriquer un rituel industriel qui n'a jamais existé. Et il faut que tout le monde croie, y compris celui qui voit... pourtant qu'il ne se passe rien, qu'il se passe quelque chose. C'est comme ça qu'on crée la fiction du rituel. Mmh. Et comme les murs des abattoirs sont très grands et que personne ne peut contrôler, eh bien, il y a un récit, un mythe qui se fait autour de l'abattage rituel. Et donc, les gens vont acheter la viande là parce qu'elle est rituellement abattue, parce qu'il y a des religieux, etc. Or, je ne vois rien de tout ça. Mais tout le monde le croit. Et surtout, tout le monde veut le croire. Et c'est ça qui est... C'est ça qui, je pense, aussi va conduire aussi ma réflexion. C'est qu'est-ce qu'on veut croire, qu'on ne voit pas, mais qu'il faudrait que tout le monde croit, qu'on soit musulman ou pas. Qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer? Et puis plus tard, je vais comprendre que le halal, le licite, en fait, cet espace de licite se construit justement par ce même mécanisme que j'ai étudié dans les abattoirs, mais pour produire toutes sortes d'aliments, de cosmétiques, etc. Et qu'on est en train de constituer un grand marché du halal, du licite, qui est adapté à un certain type d'humanité qui est le musulman, qui devient le consommateur musulman. Et là, on n'est plus dans la mosquée, on est dans quelque chose dans la rencontre du néolibéralisme et du néo-fondamentalisme qui cherche par là à imposer sa norme déjà aux musulmans et peut-être aux autres en utilisant les outils justement de la modernité, les outils et la finance capitaliste. Donc ça va complètement à l'encontre de mes collègues qui travaillent sur l'islamisme, qui essaient d'expliquer que l'islamisme c'est une révolution gauchiste en fait, mais en utilisant la grammaire religieuse. Ce qui est évidemment faux, mais c'est la doxa dans le milieu universitaire, et celui qui n'est pas d'accord avec ça sera immédiatement écarté. Voilà un peu mon parcours qui m'a... Mais là, je vais donner une définition pour moi du frérisme. Pour moi, le frérisme, c'est une doctrine, une idéologie issue de deux branches revivalistes. D'abord, la branche de Saïd Qutb, pardon, pas de Saïd Qutb, la branche arabe héritière de Hassan el-Banna et de Saïd Qutb. Hassan el-Banna. Hassan el-Banna, mais aussi de Saïd Qutb, mais qui s'est adaptée au contexte européen et qui est portée par... Youssef El-Karbaoui qui prend le contre-pied de la branche djihadiste en disant mais en Europe on ne va pas passer par la branche djihadiste, on ne nous apportera que des problèmes, il vaut mieux utiliser avec les sociétés pacifiées des outils pacifiques, c'est-à-dire l'influence, le noyautage, l'infiltration, et en passant plutôt par l'économie qui fonctionne très bien avec l'économie du halal ou avec la culture. Donc faire du hijab un truc tendance, voilà. Tout ça, en fait, les frères l'ont compris. Et ce que j'essaie, et l'autre branche, alors c'est la branche maouloudienne, donc qui est plutôt une adaptation, en fait, du frérisme et du revivalisme qui a précédé le frérisme et qui est plus pragmatique. Lui, je le considère comme l'ingénieur du système halal, c'est-à-dire qui va penser... à l'aide d'outils rationnels, pseudo-rationnels. Enfin, c'est rationnel parce que c'est faire du texte un texte
qu'on lit sans la moindre distance, c'est-à-dire qu'on prend, on est complètement littéraliste et on considère que tous les éléments de l'islam, donc le Coran et la Sunna, font système et chaque organe en fait est lié à l'autre, de sorte que tout est lié et que l'islam est indispensable, suffisant. Il est nécessaire et suffisant. Il n'y a plus aucune raison d'aller chercher en dehors de l'islam ce qui existe, parce que tout est déjà dans l'islam et tout est à découvrir de l'islam. Et Maududi, c'est vraiment celui qui pense ça, et je vous recommande sa lecture parce que c'est un système absolument incroyable. C'est pas des idiots, hein, ces gens-là. C'est pas seulement des gens vociférants, ce sont des vrais penseurs, mais ce sont des penseurs totalitaire, absolument totalitaire, qui inclut même l'au-delà, c'est encore plus totalitaire que le nazisme de ce point de vue-là. Et c'est un système très intelligent. Donc ces deux branches, en fait, sont d'ailleurs réunies par Saïd Ramadan, le père de Ali et Tariq, en Europe, pour créer le marché halal, ce qu'on appelle l'Islamic Way of Life, et puis toutes les tactiques, toutes les stratégies qui sont utilisées par la branche plutôt arabe. Voilà un peu l'idée. Donc, alors, s'il y a une autre chose importante, c'est vision, identité, plan. Donc, il faut inculquer une vision aux enfants qui leur laisse croire donc qu'il y a eu un passé merveilleux, celui de... Glorieux. Glorieux, exactement. Je cherchais le terme, le passé glorieux du prophète, et puis un avenir qui est forcément donc l'avancée vers le califat. Donc, toutes les actions sont tournées vers cet objectif-là, en vertu du passé glorieux. Premièrement, l'identité est une identité supranationale, c'est-à-dire qu'on est musulman avant d'être tout le reste, et donc il y a cette solidarité de l'Oumma, hein, c'est la nation musulmane, la nation islamique. Et puis, le P, c'est le plan, la dimension programmatique, c'est-à-dire qu'on avance par plan. C'est évidemment la dimension la plus controversée et celle qui m'a valu toutes les attaques que j'ai subies jusqu'à présent, puisque le plan, ça voulait dire complotisme, etc. Ben oui, il y a un complot, effectivement, on ne peut pas dire autre chose. Et c'est un complot qui prend des dimensions très grandes parce qu'elle correspond à ce que toutes les religions connaissent, qui est le plan de Dieu. On doit suivre le plan de Dieu, et ça, c'est assez classique, y compris chez les chrétiens. Donc VIP. Et l'autre élément, c'est comment je vois le frérisme, pas comme un courant théologique parmi d'autres, pas comme une école juridique, mais comme un système d'action qui est chargé de mettre en marche l'ensemble de ces courants et de ces sensibilités pour les arrimer en fait à l'objectif, comme un espèce de grand bateau qui avancerait vers l'objectif. Il faut que tout le monde soit dedans, l'idée étant d'utiliser les avantages et les compétences de chacun. Voilà. Juste sur ce point-là, avant de laisser la parole à Horacio et d'autres personnes concernant ce que vous venez de dire, sur le dernier point, est-ce que vous êtes un peu intéressé au mouvement du wahhabisme, par exemple, en Nord-Afrique, spécialement de ce que je connais moi, le Maroc, entre les années 60, 70, 80, qui a donné lieu plus tard, dans les années 2000, à des attentats, des choses comme ça, où le roi, le Maroc, avait ouvert la porte au wahhabisme, bien sûr avec l'influence aussi de l'Égypte, des frères musulmans, mais il y avait le mouvement d'Arabie Saoudite. Est-ce que vous êtes aussi intéressé au mouvement politique wahhabite? Alors, je ne suis pas intéressée à ce mouvement en détail, mais j'ai lu là-dessus, mais ce n'est pas des observations de première main. La seule chose que je dirais, c'est que le wahhabisme saoudien a toujours été, n'aurait pas pu se diffuser en dehors de son lieu d'origine sans la pensée des frères musulmans, c'est-à-dire sans cette pensée extensive. C'était le wahhabisme, c'est quelque chose d'assez communautaire qui aurait pu rester où c'était, je dirais, localisé là où c'était, dans cette région du monde. Mais prise en main par les frères musulmans, c'est devenu quelque chose d'autre que moi j'appelle le frérisme. C'est-à-dire que c'est un salafisme, hein. Le wahhabisme est un salafisme, c'est-à-dire qu'il se réfère aux pieux anciens et aux textes, au modèle du prophète et de ses compagnons. Mais le wahhabisme pur se réfère
à des autorités saoudiennes et ne sort pas de ça. Puis il y a une certaine fidélité à la nation des Saouds, mais le wahhabite qui est en France ou à l'étranger n'est pas supposé rester, prête allégeance en fait, regarde vers les oulémas de là-bas, tandis que le salafisme frériste, lui, n'a plus de... ne se réfère qu'à Dieu. Il est autonome et en extension. L'idée étant de faire confiance au consensus de la communauté. On ne peut pas se tromper, je ne sais plus quel est ce verset coranique. Une nation ne peut pas se tromper si tout le monde est dans ce consensus. Et je retrouve la terminologie exacte. Et c'est plutôt cette mouvance-là qu'on va voir arriver, qui va prendre des formes plus ou moins violentes. Je dis souvent que les djihadistes, j'en parlais avec David Valat qui était au Café Laïc, qu'on a reçu hier, les djihadistes sont des frères trop pressés. Oui. C'est-à-dire qu'ils veulent la même chose, mais tout de suite. Ils veulent le califat, mais tout de suite. Et donc, ils tuent, ils décapitent, et voilà, ils veulent absolument rentrer dans cette histoire-là. Donc là, on les voit tuer les juifs. Pourquoi ? Parce que c'est la première, c'est la première étape du temps religieux qui va ensuite continuer par l'abolition des occidentaux, puis celle des orientaux, etc. Jusqu'à ce que le califat s'instaure sur Terre. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a cette jouissance, par exemple, dans les tueries du 7 octobre ? Pour moi, on peut le ramener à ça, parce que clairement, on a l'impression d'avoir... d'être rentré dans l'histoire. Ils sont en train de tuer les juifs, donc ça y est, ils commencent le califat. C'est la première étape. Ceux qui sont au courant du jihad talab, le jihad offensif, ils s'inscrivent dans ce truc-là, ils se disent « bah, c'est un message de Dieu ». Et les autres, c'est une déshumanisation du mécréant ou de l'autre et du juif ou du chrétien qui déshumanise justement l'acte de crime ou de tuerie sur ces gens-là, comme si on marchait sur un cafard. Ça fait ni chaud ni froid. C'est ça. Alors, on a connu ça avec les nazis aussi, mais il y a la différence, c'est cette joie. C'est quand même cette jubilation qui est terrible. Et c'est ça que j'attribue au fait de se dire qu'on contribue en fait à une entrée dans l'histoire religieuse. Au fond, on devient le prophète. C'est ça la jubilation que peut-être on ne trouve pas forcément chez les nazis, qui eux se cachaient quand même. Ils faisaient leur extermination, mais pas trop au-dessus de tout le monde. Là, on est au contraire dans la jouissance de le faire et de le faire savoir et de le faire voir. Ce qui est terrible d'ailleurs pour les Israéliens qui sont obligés de montrer ces films et puis finalement, à la fin, même ceux qui le voient, et Dieu sait si c'est atroce, moi j'ai refusé de le voir, je crois que je ne pourrais pas supporter. On a encore des Aymeric Caron et des Guiraud qui vous disent « Oh, ça doit être un montage ». C'est odieux, quoi. Hein. C'est vraiment odieux. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de montrer ces images pour moi, parce que de toute façon, ceux qui ne veulent pas voir ne verront pas. Ils diront toujours que c'est trafiqué. Donc, voilà. En fait, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Muse, j'ai vu que tu veux prendre la parole, je pense. Attends. Oui, en fait, Florence a répondu en faisant allusion à l'actualité, parce que je me demandais, en fait, par rapport à cette jubilation que vous êtes en train de décrire et de démontrer, des djihadistes pressés qui doivent montrer pour réaliser la prophétie. Et voilà, vous avez répondu en faisant allusion à l'actualité. Merci. J'aimerais revenir à un moment de votre récit, quand vous êtes arrivé la première fois, et qu'ils ont essayé de dérouler leur script de prosélytisme pour vous convaincre, et que vous êtes sorti de là, et vous avez partagé ce que vous avez vécu avec des collègues, il y a certainement des gens qui travaillent sur d'autres sectes, sur les témoins de Jéhovah, ou je ne sais pas, d'autres dérives sectaires. Est-ce qu'eux aussi, ils subissent la même pression ou pas? Je ne sais pas, quel était votre ressenti voilà. Alors, il y a des objets nobles et des objets moins nobles. Si vous travaillez sur les sectes, ce sont des objets pas très intéressants, des petites sectes, des petites choses quoi, là, qui sont destinées à être combattues, il n'y a pas de problème. C'est d'ailleurs souvent des gens qui travaillent dans le domaine psychologique, de la criminologie, etc. Et quand vous êtes dans un laboratoire d'anthropologie ou un institut de recherche sur le monde arabe et musulman, ça, on est dans des objets nobles.
Et dans ces objets nobles, on ne peut pas trouver de secte, par définition. On ne peut pas trouver... il y a une fascination pour l'islam, il y a une fascination pour le monde arabe dans ces laboratoires. On le voit même avec Gilles Kepel, par exemple, qui ne peut pas s'empêcher, toutes les deux phrases, de lui dire un mot en arabe et dire qu'on ne comprend rien à l'islamisme parce qu'on ne travaille pas l'arabe. Si vous parlez l'arabe, c'est la noblesse en fait des gens qui travaillent sur le monde musulman. C'est même un argument d'autorité. C'est un argument d'autorité, vous avez raison, c'est orientaliste, par ceux-mêmes qui combattent l'orientalisme, c'est ça qui est drôle. Alors, oui, je conçois tout à fait, parce que j'ai un peu appris l'arabe, je conçois tout à fait qu'il y ait dans l'univers linguistique de l'arabe une poésie particulière qui font que, effectivement, quand on rentre dans cette langue, on rentre dans un espace culturel particulier avec sa... avec son chant, sa mélodie, je le conçois. Et c'est important à souligner, mais ce n'est pas une condition pour étudier ces phénomènes-là, parce qu'alors, on rentre finalement dans cette fascination et on n'est pas capable de prendre suffisamment de recul pour analyser objectivement. Il n'y a pas que des gens qui sont des poètes de l'islam ou de l'arabe, il y a aussi des gens qui subissent cette religion, qui les obligent à cadrer tous leurs actes entre licite, illicite, adorer Dieu, être toujours sous la surveillance, c'est beaucoup plus difficile. Ce qui est étonnant, c'est que pour quelqu'un par exemple qui s'intéresse au monde arabe et à l'arabe, qui va sans maîtriser l'arabe, qui va jeter des fleurs sur les poèmes, sur des créations, sur l'art arabe, personne ne va venir lui dire « Ah, t'as pas bien compris ». Mais par contre, dès que tu commences à critiquer les textes, surtout islamiques, ah ben là, on va tomber dessus, t'as rien compris, c'est normal, tu comprends pas l'arabe, l'arabe, c'est compliqué. Vous avez raison, et ce qui est intéressant aussi dans le monde musulman et contemporain, et justement qui a été frérisé, pour moi, c'est aussi quand même l'avancée du frérisme depuis un siècle. C'est le rapport au texte immédiat, c'est-à-dire en fait ce sont des littéralistes. Alors les frères sont des gens du texte et du contexte. C'est-à-dire c'est pas seulement des textes, ils essaient aussi, par ce qu'ils appellent l'ijtihad, d'adapter aussi le contexte au texte. Il y a un jeu comme ça. Et alors pourquoi je disais ça? Parce que c'est dans le frérisme quelque chose qui est... qui a complètement imprégné toutes les autres pensées salafies et qui a donné aussi à chaque musulman un rapport au texte qui est celui du littéralisme, mais aussi après avec tout un rapport au savoir en général. Que ce soit celui des sciences sociales, que ce soit en fait tout autre mode de connaissance, a été influencé par ce rapport immédiat au texte. C'est-à-dire que c'est le texte devient primordial en dehors de toutes les pratiques, en dehors de l'interprétation. Il faut réduire l'interprétation, c'est ça l'idée. Pour que tout le monde marche dans le même sens, il faut qu'il y ait le moins d'interprétation possible. Et ça fait de cette religion une religion carcan au bout d'un moment où on est de plus en plus, où on ne peut plus se sentir libre. D'où, dans son exportation en Europe, on aurait dû voir cette religion se décomposer en fait, naturellement, avec des gens qui aiment bien cette façon de concevoir leur religion, avec des gens qui auraient peut-être été beaucoup plus souples, et puis des gens qui sont sortis. Dans une société sécularisée, vous avez 70% des gens qui sortent de leur religion. Les mêmes qui vous accusent d'être de pas bons musulmans, etc., sont sortis eux-mêmes de leur religion. Mais vous, ils vous imposent d'y rester. Il y aurait dû avoir un mouvement massif de défection de l'islam, de sorte que ceux qui seraient restés, mettons par exemple les 30 ou 40% de gens restent musulmans, on aurait dû avoir dans ces gens-là des gens qui sont capables d'en proposer une réforme et puis des gens qui sont vraiment des clairs littéralistes qu'on récupérera pas. Mais pour ça, il aurait fallu laisser se décomposer cette Ouma de façon à ce qu'elle s'intègre et s'assimile dans le nouveau milieu. On n'a pas assisté à ça parce que les frères l'ont interdit.
Ils l'ont interdit en menaçant tous ceux qui pourraient faire défection, en les menaçant, en faisant du chantage, en tuant et en disqualifiant. Et ça, personne ne semble l'avoir compris. Enfin, après, j'ai l'impression, Shekha, oui. Oui, moi, dans la continuité de ce qu'on disait, parce que ça avait l'air évident dans notre échange, de mon point de vue, moi, je voulais juste dire que quand vous avez fait votre livre, j'étais heureuse que enfin, peut-être, le monde allait comprendre quelque chose que moi, qui ne suis pas née hier et qui ai vécu la décennie noire en partie, je n'ai pas découvert l'ambition mondiale du frérisme. Et j'ai toujours eu du mal à le faire entendre. Alors, aux gens qui ne sont pas en lien avec l'islam, c'est même pas la peine. Et même par rapport aux ex-musulmans, le projet frériste qui n'a pas de frontières reste quelque chose un peu, des fois, on a l'impression que c'est mythologique, on n'y croit pas trop. Et votre livre, avec votre méthodologie et votre crédibilité, pour moi, c'est un pas énorme pour que les personnes qui ne soient pas fermées dans l'idée que c'est forcément un complot imaginaire comprennent qu'on a affaire à un mouvement politique. Parce que ce que vous dites sur le fait d'être tous uniformes, pas pouvoir sortir du carcan, l'orthodoxie, bon, c'est du totalitarisme et il va falloir... Mon expérience fait qu'aujourd'hui, je ne parle plus de religion, moi, quand je parle de l'islam. Je parle d'idéologie politique parce que c'est cette tendance-là qui domine. Si effectivement, il avait survécu du mu'tazilisme, du coranisme, du ceci. Aujourd'hui, la tendance dominante et écrasante, c'est le sunnisme Sunna al-Jamara, voilà, et donc ça pour moi c'est politique, ça n'a plus rien de spirituel. Voilà, c'était une parenthèse, donc merci pour tout ce que vous faites. Et aujourd'hui, il me semble, sans prendre parti, moi mon propos c'est pas prendre parti par rapport à l'actualité qui se passe en Palestine et en Israël, mais j'ai l'impression qu'il y a un hold-up qui s'est opéré sous nos yeux avec la bénédiction des gens qui sont contre le colonialisme, qui sont contre l'impérialisme, et je vois le drapeau de l'État islamique flotter dans les capitales du monde occidental, les slogans, franchement, c'est, quand on crie mort aux juifs, il faut gazer les juifs, il n'y a plus d'ambiguïté, et cette confusion, alors, avec, on est en train de manifester pour libérer la Palestine, quand on a les dirigeants eux-mêmes islamistes qui appellent au djihad mondial. Dominique Bernard l'a payé de sa vie le week-end qui a suivi l'appel au djihad mondial. Voilà, et je voulais votre réflexion là-dessus, sur tout ça qui s'entrechoque et cette cécité et étanchéité qui persiste. Alors déjà, moi, je suis un petit peu plus nuancée sur le caractère politique, uniquement politique de ce mouvement. Justement, je pense que son problème n'est pas qu'il soit politique, son problème c'est qu'il soit politico-religieux et indistinctement. C'est-à-dire qu'il soit profondément missionnaire, qu'il repose sur des ressorts qui sont ceux de la religion, de l'ici-bas et de l'au-delà, chose que le politique ne sait pas mobiliser. Il n'y a que les religions pour mobiliser les ressources supraterrestres. Donc, je ne pense pas que ce soit des mouvements qui utilisent le religieux, que le religieux ne soit qu'un prétexte au politique. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, hein, je veux dire, mais moi, je pense avoir découvert au contraire que si ce n'était que ça, on aurait résolu le problème. Ces mouvements seraient devenus de simples partis politiques, et puis voilà, on les aurait battus, la démocratie étant plus forte, ça, on aurait résolu le problème. Non, ils ne veulent pas du jeu démocratique, ils sont sortis du jeu démocratique, ce sont des théocrates. Et quand on est un théocrate, on ne croit pas aux droits de l'homme, on ne croit pas aux règles du jeu, donc on peut mentir. Si vous avez le sentiment qu'on vous fait jouer un jeu, que vous ne voulez pas y participer, mais que vous êtes obligé d'y participer, vous verrez que vous blufferez, vous mentirez, vous utiliserez toutes les règles qui ne sont pas des règles du jeu. Et pour moi, c'est là où on est. Donc, ce ne sont pas des règles du jeu politique, ce sont vraiment des fanatiques. D'où la difficulté, parce qu'évidemment, ces fanatiques ne pourraient pas grand-chose s'ils n'avaient pas des alliés utiles, pour ne pas dire des idiots utiles, comme les wokistes, etc.
qui sont effectivement là pour le coup je les ai pas étudiés parce que j'ai étudié plutôt de l'autre côté, mais je les ai côtoyés puisqu'ils étaient à l'université. Et là, c'est un peu la limite de ma compréhension. Par exemple, des personnages comme Guiraud, là, de LFI, je vois à peu près, parce qu'à mon avis, il est converti au frérisme. Mmh. Donc, je peux assez bien comprendre sa position. Il est passé de l'autre côté. Mais des personnages comme Caron, qui est vraiment le wokiste parfait, là, je ne comprends pas. J'avoue qu'il faudrait étudier ces cas-là, pourquoi ils se retrouvent à l'envers, en fait, des valeurs qu'ils défendent. Clairement. Il vante les valeurs LGBT, etc., alors que les autres les balancent par la fenêtre. Donc, il y a là quelque chose que je ne saisis pas bien, parce que tout d'un moment, je ne l'ai pas étudié. Par contre, il y a de très bons livres en ce moment qui sortent sur le wokisme, qui mériteraient justement d'être. Il y a. Après, je voulais juste vous poser une question. C'est quel est votre. Position par rapport à ce qui se passe en Israël et sur cette question palestinienne, parce que vous avez quand même, j'imagine, hein, une socialisation qui est plutôt pro-palestinienne, hein. Ça fait quand même 3-4 générations que les musulmans sont imbibés, hein, de ces images de mœurs depuis Sabra et Shatila, c'est toujours les Palestiniens. Clairement. Donc il y a eu une identification très très forte, et comment est-ce que vous voyez les choses? Bah déjà, je ne suis pas musulman, je ne suis plus musulman. Oui, enfin, je veux dire, là, je parle de la socialisation après, musulmane. Clairement. Je vais parler en mon nom. Hein. Clairement, même si on quitte l'islam, on peut garder, on va dire, des restants de cet islam et de cet endoctrinement sur tous les plans, qu'ils soient religieux ou politiques ou autres. Maintenant, moi, dans mon cas, j'essaye toujours, tous les jours, de faire un travail sur ces choses qui sont irrationnelles, qu'on m'a mis dans le cerveau, en essayant de les regarder avec un œil plus critique, en essayant au maximum d'être le plus subjectif possible, objectif possible. Maintenant, je n'ai pas toute la connaissance historique pour vraiment juger. Je devrais peut-être m'y intéresser pour avoir vraiment un positionnement. Aujourd'hui, moi, ma position, je suis humaniste et pour le vivre ensemble. Et quand je vois des victimes, des innocents qui meurent de tous bords, qu'ils soient au Yémen ou n'importe où, ou en Israël ou en Palestine, bah, je suis choqué. Voilà, et je ne peux pas soutenir que ce soit une politique ou une théologie ou n'importe qui va dans ce sens-là, exterminer ou tuer des innocents. Donc, c'est la seule position que je peux avoir aujourd'hui, sans les éléments peut-être factuels dont j'ai besoin pour avoir plus de je sais pas, plus un positionnement franc et clair. Cheikha, je sais pas, toi, si tu veux. Personnellement, j'ai toujours. C'est difficile, je ne peux pas faire de généralité. On a au sein des ex, de la communauté des ex-musulmans des divergences sur ce qui se passe. Donc, des choses, des positions qui sont dans la continuité de ce qu'il aurait été si les personnes n'avaient pas apostasié. Oui. C'est-à-dire alors, que... c'est clivant, je veux dire, en parler. C'est clivant. Ah oui, clairement. Tout à fait, c'est clivant. Et c'est une bonne chose. Mais c'est une bonne chose parce que quand on est musulman, il n'y a pas d'option, il n'y a pas de choix. Oui. On doit être avec la Palestine. Ils sont dans la vérité absolue. Ils sont, tout ce qu'ils font est bien. S'il y a des actes terroristes, bah non, ils essayent de survivre. Tu n'as pas le choix. Et aujourd'hui, en tant que. Moi, je trouve ça compréhensible et sain que chez les apostats, on n'est pas tous d'accord. Chacun. Comme les Français, comme tous les Français. Exactement. Il y a tous les bords politiques. Et donc, on peut expérimenter le désaccord et la divergence en étant ex-musulman, ce qui est difficile quand on est musulman, parce qu'il y a vraiment cette injonction à t'es avec nous ou contre nous. Hein, on a pas c'est ça. Le choix. Donc là où ça bloque, c'est finalement passer un petit peu rapidement sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Et parce qu'il y avait tout le passé colonial, tout ça, ce qui s'est passé le 7 octobre,
on n'y pense même pas, et si on s'y arrête, ça va être un petit peu, oui, bien sûr, on condamne, mais enfin, quand même, un petit peu, de toute façon, il y a des otages, il y a des Français qui sont morts, et on voit bien que même dans les médias, tout ça, c'est vraiment, ça passe en périphérie. Moi, c'est ce qui me choque énormément, c'est-à-dire qu'au lendemain du 7 octobre, tout le monde était là à prendre position, alors qu'il y avait des otages, que Dominique Bernard avait été tué quelques jours après, et la préoccupation allait vers qui est le gentil, qui est le méchant. On a été touché, on est touché, il y a des otages, il y a des victimes françaises. Donc, bon, voilà. Moi, ce que je veux dire, c'est que ça m'a remis dans ce que j'ai vécu quand il y avait eu, puisque je suis une ancienne, la première guerre du Golfe que j'ai vécue, j'étais encore en Algérie et j'étais adolescente. Et malgré tout, je me souviens, on n'avait pas fait classe ce jour-là, la journée avait été consacrée à parler de tout ça, quand la guerre s'était enclenchée. Et je voyais tout ce truc autour de moi avec des gens qui encensaient Saddam Hussein, parce que pour une fois, les Américains allaient se prendre une raclée, et je n'arrivais pas à adhérer à ça. Et de même pour la cause palestinienne, moi, tant que c'est des gens islamistes qui jettent les LGBT par les toits et qui mettent en prison les apostats, je ne peux pas, je peux pas banaliser la souffrance des uns ou des autres. Mais moi, aujourd'hui, à part dire que je ne peux pas prendre position parce que c'est complexe, et qu'on ne me fera pas dire qu'il y a un méchant d'un côté et un gentil de l'autre, c'est le moins bête que je puisse dire, j'ai l'impression. C'est très complexe, tout le monde fait semblant d'avoir un avis objectif là-dessus, alors que chacun y va de sa passion. Et quand on est outré parce qu'il y a des bébés d'un côté qui meurent, mais qu'on se fiche des bébés de 1 an qui sont encore otages de l'autre, ça veut dire que ce n'est pas les valeurs humanistes qui sont en train de nous animer, c'est autre chose. Et moi, c'est oui, autre chose de la Oumma, pas pour moi. Voilà. Voilà. Oui, très clair. Je voulais. Je voulais souligner, il nous reste une demi-heure, l'importance de l'existence et de la reconnaissance des apostats. Alors peut-être il faudrait préciser d'ailleurs ce que sont les apostats. Pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose que ex-musulmans. Les apostats, dans la définition commune, ça pourrait se discuter, ce sont ceux qui sont sortis d'une religion et qui souhaiteraient entraîner les autres à sortir aussi, alors qu'un ex-musulman a sa démarche personnelle. Donc, peu importe, mais en fait, il y a quand même deux attitudes vis-à-vis de la sortie d'une religion, pas que de l'islam. C'est celui qui veut faire sortir les autres, et ça, c'est celui qui est déclaré, on peut le tuer, hein, il est licite de tuer l'apostat qui veut faire sortir. Par contre, pour ceux qui sont sortis, il y a moins de... La question se discute de s'il faut les tuer ou il ne faut pas les tuer, d'un point de vue religieux. Ça dépend de si un État islamique est en place ou pas, et si on est au sein de cet État islamique ou pas. Oui, c'est ça, il y a beaucoup de conditions. Mais voilà, alors maintenant, ça, c'est les religieux qui pensent ça. En tout cas, moi, je pense qu'il faut absolument que les ex-musulmans, comme ça, ça prend un peu tout le monde, hein, ça prend les apostats, mais aussi tous ceux qui n'ont pas de volonté particulière de demander aux autres de suivre leur voie, il faut qu'ils soient reconnus, protégés, qu'ils soient beaucoup plus présents dans les médias. Ça, si c'est peut-être un conseil que je vous donnerais, de vraiment... parce que je pense que vous êtes beaucoup, beaucoup plus nombreux que ce que vous êtes là dans vos groupes. Clairement, oui. Mais voilà, c'est évidemment, personne, on le voit, hein, vous êtes tous totalement anonymisés et vous prenez beaucoup de précautions et vous avez raison. Mais il faudrait aussi qu'il y ait une mobilisation beaucoup plus importante et pour que vous existiez, pour que les préconceptions, les préjugés à votre sujet sautent, puisqu'on vous a extrême-droitisé aussi, tout comme moi. Hein. Vous avez souvent, certains d'entre vous, parfois une excellente connaissance de l'arabe, du Coran. Il y a de vrais experts hein, chez vous, des gens qui justement ont commencé à s'intéresser dans une perspective de piété et puis qui se sont aperçus que ça tenait pas du tout la route et qui, pour cette raison-là, se sont sortis.
Donc, il y a de tout chez vous, comme chez tous les Français. Et c'est ça qu'il faudrait peut-être exprimer, cette pluralité, cette réflexion, le fait qu'il y a parmi vous des gens qui sont très, très versés dans ces études-là et qui savent de quoi ils parlent, de façon à ce que ça soit une option. Parce qu'aujourd'hui, il y a quoi comme option qui est proposée aux musulmans? C'est d'être musulman islamiste ou d'être musulman modéré? Mais non, il y a aussi des gens qui sortent. Et donc, ça veut dire que dans le champ religieux, dans le spectrum religieux, il y a aussi des sensibilités, des variétés, etc. Il y a aussi tous ceux qui sortent. Et ça devient totalement normalisé. Donc vraiment, mobilisez-vous, ça vous savez, je vais vous l'apprendre, et faites-vous connaître d'une manière ou d'une autre. Il y a certains qui acceptent de montrer leur visage, ce qui aiderait beaucoup en réalité. Hein. À un moment donné, il faudra sortir de l'anonyme. Oui, tout à fait. Moi, dans mon cas, ça a commencé un peu. C'est pour ça que maintenant, je montre un peu plus de choses. Mais il y a d'autres collègues comme Jack Lefou, Mihoub et d'autres apostats dans le monde arabophone, anglophone qui font le travail maintenant en France, clairement, avec Jack Lefou. C'est indispensable, ou même Fadil Amarouchi, en Belgique, qui le dit. Enfin, oui, Sophia Aram. Plus vous serez visible et sans... plus vous aiderez en fait la cause que vous portez. Et je vous dis ça, mais je sais que c'est dangereux, mais en même temps, moi aussi, je suis menacée. Donc, je me dis, bon, de toute façon, ils tuent n'importe qui. Donc, ils tuent les gens qui font rien. Alors, faisons quelque chose. Tout à fait. J'aimerais donner la parole à Horacio Neb, qui avait préparé énormément de questions sur le livre, sur plein de choses. Horacio, à toi la parole. Je voulais rebondir là sur les apostats et tout, notre militantisme et trucs, mais j'aimerais bien te donner la parole. Ok, moi je vais raccourcir volontairement mon temps de parole pour laisser Neb et Elo s'exprimer. D'autant plus que voilà, bonjour docteur, enfin, c'est encore une fois un immense plaisir de pouvoir échanger avec vous dans le cadre de cet entretien. Franchement, j'espère que les questions que je vais vous poser seront pas redondantes. Et si c'est le cas, je m'en excuse. Et pour les réponses que vous avez déjà fournies, j'invite l'audience en fait à visionner le premier entretien qui avait eu lieu avec Régulus et Rouyenne, qui était déjà de fort bonne facture. Alors, chez Collectif Ex-Muse. Et vous avez aussi un très bel avatar. Hein. Je vous remercie, ça a été travaillé. Merci, on essaye de s'améliorer. Alors, à nouveau, je vous manifeste mon inconditionnel soutien dans l'ensemble de votre entreprise et j'appelle vraiment les lecteurs, les spectateurs, les spectatrices à se procurer tous vos ouvrages, pas simplement le frérisme et ses réseaux, à commencer justement par celui sur les frères musulmans. Ça leur permettra d'élargir leur champ de compréhension quant justement à ce groupement politique et religieux dont l'objectif, c'est clairement de renverser tous les systèmes gouvernementaux politiques, afin d'instaurer l'islam et tout son volet religieux, leur horizon temporel étant le long terme, et donc leur action étant diffuse. Donc il faut être très méfiant. Alors je vais vraiment vous poser que trois questions courtes. Alors pour démarrer, et je vais essayer de faire le lien avec la fin de l'entretien passé avec Rouyenne, j'avais une question qui m'était venue à l'esprit tardivement, et qui était en fait, quelles sont vos futures productions littéraires? Est-ce que vous êtes en mesure de nous mettre dans la confidence, nous et l'audience, comme lors en gros d'une avant-première du cinéma? Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est, alors, depuis l'apparition de votre livre, est-ce que vous avez constaté un début de prise de conscience de façon générale, et est-ce que vous croyez en fait en un renversement de la tendance de l'emprise de l'islam des frères musulmans, ou est-ce que vous pensez qu'il va falloir encore du temps avant qu'il y ait un clair changement de cap au niveau de l'état d'esprit des gens qui sont confrontés à l'islam, notamment politique? Et enfin, pour parler un peu de la place des femmes, parce que on est quand même dans un forum féminin, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre expérience sociologique lorsque vous avez été au contact des femmes qui appartiennent à leur insu à l'univers des frères musulmans? Est-ce que vous avez vu des porosités intellectuelles de leur côté? Et si vous deviez dresser un portrait de la femme archétypale qui baigne dans l'enclos de l'islam politique, comment vous la décririez? Ok. Alors, donc femme, la deuxième question, c'était... Oui, juste un petit en résumé. Donc, la première question, c'est sur quoi je travaille en ce moment, qu'est-ce que je vais publier, c'est ça? Oui, notamment. La deuxième question, c'était... Est-ce que vous avez constaté un début de prise de conscience depuis l'apparition de votre... Oui, voilà. Alors, voilà. En fait, les deux sont... donné lieu à une seule réponse. Non, enfin, je vois bien que mon livre, qui est aujourd'hui, d'après mon éditeur, est un best-seller, enfin, du point de vue des sciences sociales. Je crois qu'on a vendu 40 000 ouvrages, ce qui est beaucoup, c'est 40 fois plus qu'un ouvrage en sciences sociales ordinaires.
Donc je vois bien qu'il y a un impact. Il y a un impact public qui n'est pas lié à un certain parti politique. Hein, on pense tous au parti de Zemmour ou du RN, qui va très au-delà de la question partisane. Ça, c'est une chose. Les Juifs aussi s'intéressent beaucoup en ce moment parce qu'ils voient que mon livre explique pas mal de ce qui se passe aujourd'hui. Donc l'actualité aidant, effectivement, ça a touché beaucoup de monde dans un spectre très large, des gens qui sont en demande de mieux comprendre, qui viennent me voir dans mes conférences, mais ils ont besoin que je répète, j'ai remarqué. C'est-à-dire qu'ils reviennent toujours avec les mêmes questions. Et ça, je le comprends, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi quand je débutais. Je me disais puisqu'on n'arrêtait pas de me dire qu'il ne fallait pas voir ce que je voyais, ça me remettait chaque fois en doute et j'ai pédalé comme ça pendant des années. Donc, je peux comprendre ça. Et donc, aujourd'hui, je suis très souvent sollicitée à m'exprimer comme là ici, dans ce space ou dans des conférences, dans des séminaires, etc. Et donc, j'ai pas le temps, en fait, de penser à ce que je vais écrire après. Je suis obligée de me concentrer à faire passer un message pédagogique parce que, effectivement, mon objectif n'est plus seulement que les gens comprennent comme un scientifique, mais c'est aussi qu'ils puissent agir. Parce que si on ne comprend pas, on ne pourra pas. La science est terminée. Enfin, des gens comme moi n'existeront plus. Donc, il faut une action civique pour défendre la science, pour qu'on continue à produire de la connaissance sur ce phénomène-là. Donc, je me trouve un peu piégée. Est-ce que je continue dans mon coin à écrire des choses et tout ça, à penser, etc. Ou est-ce que je vais dans l'arène civique, je suis aussi une citoyenne, et j'essaie de convaincre mes concitoyens d'agir pour justement sauver la recherche, pour qu'on puisse continuer, mais cette fois-ci plus collectivement, parce que c'est vrai que je suis un peu seule, à produire une connaissance, une intelligence, et donc à se protéger de ce phénomène-là. Donc voilà un peu où j'en suis. Mais si on me disait, voilà, écrivez, là, j'essaierai d'écrire sur l'antisémitisme, parce que dans le clérisme, je parle très peu. Je suis un peu passée à côté de cette question. Il y a des éléments que j'apporte, mais je suis un peu passée à côté de cette question. À mon avis, il y aurait intérêt à reprendre des éléments de Pierre-André Taguieff, qui me semble celui qui est plus au fait de cette question de l'islamo-gauchisme et du lien antisémite. Qu'est-ce que je ferai aussi? Je travaillerai aussi sur la question des femmes, que je dois approfondir, parce que, et là ça répond à votre troisième question, effectivement, chez les femmes, qu'elles soient voilées ou non, le logiciel frériste a été introduit, de sorte qu'elles ont intégré complètement la norme islamique, aussi bien les Faïza Ben Mohamed, par exemple, qui travaillent pour la Turquie, qui ne sont pas voilées, qui se présentent en décolleté, mais qui ont complètement intégré la norme frériste. Je dirais qu'elles l'ont tellement bien intégré que, pour ne pas culpabiliser parce qu'elles ne sont pas voilées, parce qu'elles ne correspondent pas en fait à ce qu'on attend d'elles, elle travaille à en obliger les autres. Mais ça, c'est un classique. C'est ce que vous ne pouvez pas faire. Si vous en obligez les autres, vous serez pardonné de ce que vous ne pouvez pas faire, de ce que vous ne voulez pas faire. Pourquoi est-ce qu'on irait attaquer une Faïza Ben Mohamed, puisqu'elle fait le job auprès de bien de nombreuses femmes. Donc, on voit ces personnages-là, ou Ria Boutelja, qui disent qu'ils se sont inspirés de Tariq Ramadan, être des véritables ambassadrices de l'islamisme frériste. Ça, c'est évidemment préoccupant parce que tout le monde leur ouvre les portes, parce que ce sont des intellectuels, parce que l'idée encore répandue, c'est que les femmes musulmanes, si elles s'éduquent, sortiront de l'emprise religieuse et ne seront pas voilées, vont s'émanciper, etc. Bon, ça, c'est des bêtises, mais enfin, tout le monde continue à y croire. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à vos trois questions. Si, si, je vous remercie. Je laisse la parole aux autres. Je vous remercie. Amir, t'es là ? Oui, je suis là. J'aimerais bien Neb ou Mello. Mello, si tu veux prendre la parole. Tu avais aussi quelques questions, je ne sais pas oui, si... Oui, bonjour. Mello. Bonjour. Bonjour, je prends rapidement la parole parce que mes enfants risquent de venir perturber la discussion. Alors, j'ai une question qui me travaille depuis très longtemps, mais surtout depuis le 7 octobre.
Je voulais comprendre comment est-ce que le conflit israélo-palestinien est devenu limite un sixième pilier de l'islam, parce que moi je suis une ex-convertie, et quand on se convertit, et ben, il faut épouser la cause palestinienne en même temps qu'on se convertit. Et je ne comprends pas en fait ce piédestal sur lequel on met ce conflit, et que si jamais on ne prend pas parti, comme c'est mon cas, on est limite vu comme un traître. Bon, moi, pour repositionner un peu ma situation, je suis ex-convertie depuis un an, mais je suis mariée à un musulman, en fait, depuis 13 ans. Et bah, quand il a su que je n'étais plus dans la religion, il avait besoin de comprendre quelle était ma position. Et j'ai senti dans la question qu'il y avait limite une accusation ou une suspicion. Et à partir du moment où j'ai dit que je ne prenais pas parti, que c'était les victimes, les innocentes victimes, qui peu importe le camp, bah, tout de suite, c'est comme disait Muse, bah, c'est je suis contre eux. Je ne suis plus du même camp et je ne suis pas une ennemie, mais limite, quoi. On ne peut pas me faire confiance. Donc, je voulais comprendre en fait comment est-ce qu'on en était arrivé, comment est-ce que les musulmans en sont arrivés à donner autant d'importance à ce conflit au point de d'être en conflit après avec des proches qui ne seraient pas d'accord, quoi. Oui, c'est une question intéressante qui nécessiterait quand même un peu de réflexion. A priori, je dirais qu'il y a bien sûr la socialisation des pays du Maghreb en général qui a toujours été pro-palestinienne. Les Palestiniens étant vus comme des musulmans brimés par une autre religion, une religion qui est chassée par l'islam quand même, par le Coran. C'est le côté victimaire hein, de l'islam. Après, ce côté victimaire, il a été cultivé par le frérisme, par les frères, et notamment Youssef El-Kardaoui, que je cite dans mon bouquin, disant « il faut cultiver la haine d'Israël et des Juifs. Il faut le cultiver dans le cœur des musulmans. » Ça fait partie de la stratégie de levée du mouvement islamique, comme il l'appelle, pour aller vers le califat, parce que eh bien aller vers le califat, ça veut dire que première étape, on reprend les lieux saints de l'islam. Donc il faut la disparition d'Israël. Donc il faut cultiver cette haine des Juifs pour obtenir la disparition d'Israël. Alors, évidemment, ça, si c'était dit comme ça, et c'est dit comme ça en réalité dans le frérisme, mais en fait si c'était dit comme ça dans les mosquées au plus large public, peut-être que des gens se diraient mais enfin commencerait à critiquer. Et évidemment, les frères n'utilisent pas ces méthodes-là, ils ne parlent pas tout de suite de l'enfer, pas tout de suite des questions qui fâchent, mais ils créent une ambiance, une atmosphère, pour reprendre l'expression, d'hostilité aux Juifs. Donc, de façon très récurrente, on vous explique durant les prêches que les Juifs, finalement, ce qui leur arrive, c'est ce qu'ils ont bien mérité, etc. Et ça devient la doxa. Peut-être que vous aussi, j'imagine que vous avez dû vous convertir peut-être quand vous avez rencontré votre mari ou peut-être à ce moment-là, je ne sais pas, mais peut-être que vous avez été socialisé dans un milieu frériste qui vous a inculqué un certain nombre de ces idées-là. Et puis, peut-être qu'en revenant, puisque vous n'avez pas une socialisation d'origine musulmane, peut-être que assez naturellement, en sortant de l'islam, vous allez vous défaire de cette croyance. Et c'est plus difficile, je crois, que pour les musulmans socialisés dans les cultures maghrébines ou turques. Oui, Mélo. Oui, mais c'est ça. Moi-même, quand je me suis convertie, je n'ai jamais réussi vraiment à me positionner parce que justement, cette crispation-là m'interrogeait. Par contre, concernant mon mari, même s'il a une double culture, dès la fin d'adolescence, début de l'âge adulte, il a commencé, en étant happé par ses cousins, à participer aux manifestations qu'il pouvait y avoir sur Paris. Et je pense que ça l'a forgé cette idée-là, parce qu'il n'a pas forcément grandi non plus dans cette idéologie Oui, vous avez raison, j'aurais dû. Mais c'est plus à l'adolescence et au contact de copains musulmans où il a été sensibilisé à ça, quoi. Et c'est devenu quelque chose d'extrêmement sensible pour lui, quoi. Je pense que vous avez raison. Puis cette petite musique anti-israélienne, donc pro-palestinienne, les deux ensemble,
elle se joue sans arrêt à travers BDS, des associations de soutien. Les frères musulmans ont toujours mis parmi leurs activités des activités donc pour sauver les musulmans partout sur la planète. Et en premier, ce sont toujours les Palestiniens. Après, ça a été les Bosniaques. Après, ça a été sauf les Ouïghours, qui sont un petit peu plus discrets. Mais sinon, il y a toujours eu cet activisme permanent. Et le BDS étant celui qui passe le plus facilement, notamment à l'université. Donc oui, il y a toujours cette petite musique en permanence. Ça ne vient pas, bien sûr, du 7 octobre. Oui. Merci. Est-ce que Neb, t'avais une question ou... Merci, Mélo. Neb, t'avais une question peut-être aussi. Une petite question. J'aimerais savoir comment vous voyez le futur. Est-ce que vous pensez que justement l'islam va s'essouffler avec le temps ou est-ce qu'il va se renforcer avec le temps? Parce que là, c'est Madame Florence Bergeau-Black, là, et pas Madame Irma. Hein. Non, mais je comprends votre question. Et c'est une question que je me pose aussi. C'est comment tout cela va finir, où est-ce qu'on va, et c'est une question parfaitement légitime. Ça dépend de vous, en partie, les apostats, les ex-mus. Ça dépend vraiment. Et vous avez la clé, en fait. Vous et puis peut-être ceux qui sont restés musulmans, mais qui ont compris qu'il fallait prendre distance avec cette idéologie. Elle est chez vous, la clé. Après, ça va dépendre de si on va vous aider ou pas dans ce sens-là, mais de toute façon, ne croyez pas qu'on va vous aider. Enfin, ne comptez pas trop sur cette aide, malheureusement, parce que tout simplement, non pas que les non-musulmans soient hostiles, mais c'est qu'ils ne comprennent pas et qu'on ne leur explique pas. Donc, vous ne serez pas aidé très activement, on peut dire, mais vous pouvez demander cette aide, vous pouvez apparaître publiquement, faire des tribunes, vous mobiliser et dire non, nous existons de telle ou telle manière, nous voulons ceci. Et là, vous allez forcément attirer des gens qui sont le public, qui vous seront favorables et qui verront chez vous la possibilité d'en sortir. Donc, ça dépend beaucoup de vous. Alors, au pire des scénarios, ce sera la guerre civile. Pour moi, ça fait aucun doute que ce qui s'est passé le 7 octobre, on l'aura aussi ici en Europe, parce que ces gens-là sont d'une violence fanatique qu'il est difficile de, enfin, que vous comprenez peut-être, mais enfin, pour moi, c'est juste. C'est incroyable. Quand j'en parle avec Fadila Maroufi, avec qui je fais le Café Laïque, qui connaît très très bien ces milieux-là, elle me dit, mais Florence, tu n'imagines pas, c'est normal, cette violence, elle est intrafamiliale. Il y a des choses dans les familles qu'elle connaît ici à Bruxelles, là je suis à Bruxelles, elle me dit, mais cette violence-là, elle existe. Elle est de nature extrêmement violente. Donc cette violence-là, on est en train de l'exciter, en fait, à travers ces images, etc. Des gens qui sont prêts à partir, prendre des armes et partir en Palestine. Donc, s'ils ne peuvent pas partir, eh bien, ils se retourneront vers les mécréants ici. Donc oui, il y a des dangers de guerre civile. Peut-être par petits spots comme ça, des gens qui passent à l'acte comme ceux qui ont assassiné Dominique Bernard ou Samuel Paty, il y en aura aussi de plus en plus parce que là, on est sur un temps un peu plus long de l'endoctrinement. On apprend aux gamins à considérer que Dieu les regarde dans tout ce qu'ils font, puisque de toute façon, il faut les tourner vers l'objectif, il faut qu'ils adorent Dieu dans tous les actes de leur vie. Et de plus en plus tôt, les gamines voilées à 5 ans, ça veut dire que plus il leur sera impossible d'enlever le voile, elles vont se sentir nues, vulnérables, mécréantes, en fait ça va être affreux. Donc elles vont fabriquer aussi d'autres petits musulmans comme ça, et la violence va exploser. Pourquoi ? Parce que le frérisme qui est lent et patient produit aussi toujours ces djihadistes à la marge, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas être patients, qui au bout d'un moment se sentent pas aussi forts qu'on leur demande, et qui pour sauver leur famille, parce qu'ils ont été mécréants, parce qu'ils ont fait des conduites illicites, vont se sacrifier. Et on le voit aussi par la permission des mères qui
quand même acceptent que leurs enfants meurent. On le voit en Palestine, ces femmes qui crient de joie parce que leur fils est mort. C'est terrifiant, mais ça arrivera ici. Si, voilà, si on ne réagit pas. Quand même cette possibilité de dire et de voir en face ce qui se passe, de le dire, de le partager et de l'éviter. C'est pour ça qu'on multiplie de notre côté les initiatives et les canaux d'expression. Par exemple, la petite, mine de rien, cette petite introduction que vous avez faite, que j'ai trouvée plutôt sympa. Ouais, alors allez-y, enfin, soyez communicants, parce que vous avez en face des gens qui communiquent extrêmement bien. Clairement, donc, clairement. Si vous maîtrisez vous êtes suffisamment nombreux en réalité pour avoir beaucoup de compétences, pour peut-être aussi lever des fonds et utiliser cette communication, ils la font. En tout cas, depuis. Pardon, vas-y, Amir. Non, j'allais juste dire, oui, pour l'instant, lever des fonds, je ne sais pas, j'aimerais bien, ça serait une bonne chose. Il y a des associations qui ont été créées dans ce but-là aussi. Je parle de l'AX Sans Frontières et la MELP dernièrement, qui organisent justement cette année un événement, une conférence avec plein d'apostats et de gens qui critiquent justement l'islam. Maintenant, on n'est pas aidé. Quand on est musulman, quand on quitte l'islam, on se dit qui va nous aider dans l'échiquier politique en France et on se dit bah ça sera la gauche. Et puis on découvre qu'on n'est pas aidé et que la gauche rationalise la lâcheté, la peur, en utilisant justement le même discours que justement les fréristes ou autres. On est des islamophobes. Et là, franchement, quand on regarde, on est lâché d'un côté, disant qu'on est islamophobe, ou on veut nous récupérer d'un autre côté pour un autre agenda qui n'est pas le nôtre. Et ça rend les choses clairement compliquées. Maintenant, je vous rejoins. Ça veut dire simplement qu'il vous faut votre voix. Ça veut dire, enfin, c'est vraiment la leçon, c'est trouver votre voix. Et pour moi, vous êtes la clé, donc c'est important ce que vous faites. C'est très important ce que vous faites. Là, clairement, je vois des choses positives. Ça fait 2 ans qu'on a, nous, dans notre côté francophone ici, on a commencé des choses et je vois que ça s'est amélioré énormément. On est de plus en plus nombreux, on est de plus en plus visibles. Il y a des chaînes, en quelques semaines, touchent les 30 000, par exemple celle de Jack Lefou. Les débats qu'on fait sur TikTok et sur plein de plateformes qui ramènent des jeunes et moins jeunes. Clairement, il y a quelque chose qui se passe actuellement sur le serveur Discord, le cercle des apostats. Ça explose en termes de gens qui viennent nous rejoindre, des apostats, des musulmans zone grise, qui se posent des questions, des ex-convertis comme Mello et d'autres, des ex-juifs, des ex-chrétiens qui viennent rejoindre globalement des apostaphiles qui viennent aider, qui essaient de se joindre à ce mouvement-là. Et clairement, moi j'y crois, je pense qu'on fait partie de la clé, de la solution, et il ne faut pas qu'on lâche l'affaire, ouais, clairement. À cause de cette association qui a été faite entre race et islam, cette nécessité d'être du côté du bien fait que on va prioriser la lutte contre le capitalisme blanc, hein, je vais faire une grosse caricature, le vrai méchant c'est le capitalisme blanc, voilà, et tout le reste en fait par un certain racisme, on va dire, pas celui qui va vous insulter, vous dénigrer, celui qui va penser que vous n'êtes pas assez grand pour comprendre, ou c'est normal, ça se passe chez eux comme ça, vous savez, ah ben les violences intracommunautaires, ces spécificités, ces choses comme ça. Le pari qu'ils ont fait de fusionner race et religion, ils l'ont acquis, les islamistes en tout cas, puisque ça fait partie de leur stratégie. Et aujourd'hui, ce que vous disiez tout à l'heure sur ce que vous aimeriez comprendre, sur pourquoi il y a cette tendance dans une certaine gauche à pas soutenir les anticléricaux en interne, on a des personnes qui ont été dans ces milieux-là, qui nous disent qu'il y a une obsession d'avoir l'impression d'être du côté du bien. En fait. Oui. Et si je ne suis pas le raciste de service, même si c'est en acceptant des violences inacceptables
parce que c'est culturel, alors je reste du côté du bien contre le méchant homme blanc capitaliste. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mm-hmm. Voilà. Bon, en tout cas, nous, on est très dynamisés parce que depuis un an, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Amel a dit qu'on était rejoints par plein de gens, mais aussi nous-mêmes, on a compris qu'il n'y avait pas de relais pour l'instant et qu'on était dans une phase peut-être qui va aller plus vite qu'on le souhaite, hein, où de toute façon, il va falloir normaliser notre discours, le banaliser. Il faut qu'on prenne l'habitude d'avoir des islamo-critiques, en fait, qu'on se fasse traiter d'extrême droite, de facho, de complexé, d'arabe de service. Nous, on veut que notre parole soit normalisée et que les gens s'y habituent. On en est là pour l'instant, en espérant qu'on passera dans d'autres phases. Oui, mais moi, je suis très optimiste en ce qui vous concerne. Je le sens, je vois bien ce mouvement émerger. Donc, je pense que vous avez la clé, que vous êtes sur le point de la mettre dans la serrure. Maintenant, ça prendra le temps que ça prendra. Hein. Oui. Je crois que Neb voulait poser une dernière question. Je vais malheureusement devoir vous quitter. Oui. Alors non, je ne voulais pas poser une dernière question, je voulais simplement vous remercier. Déjà vous remercier d'être venu aujourd'hui, vous remercier aussi de parler de nous, même si ce n'est que quelques phrases, de parler de nous quand vous passez donc à la télé. Merci aussi pour vos travaux, merci d'être qui vous êtes et ce que vous faites, et je vous dis encore merci, voilà. Merci beaucoup. Moi, ça me touche beaucoup et puis ça m'aide aussi dans mon travail. Si je ne parle pas trop de vous, c'est parce que je ne veux pas prendre la parole à votre place. C'est à vous de le faire. Mais sachez que si vous le faites, je vous accompagnerai. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Merci encore. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Ah, j'avais énormément de questions, mais... on essaiera de faire un épisode, ouais. 3 encore, parce que ouais, il y a d'autres sujets que je voulais aborder, c'est dommage. Mais bon, mais c'est déjà très bien. Je suis content et merci pour tous ceux qui suivent. Ouais. Je ne sais pas si vous voulez qu'on rebondisse sur un autre sujet ou dans la continuité, donner notre avis, parce qu'on tant qu'on est là. Hein. Je sais pas, je veux tout faire là, je suis assez contente. Ah, vous savez quoi ? Je vais faire une pause, on va faire une pause, parce que il y a mon ami Jordan qui nous donne les droits d'aller piocher dans ses vidéos à volonté. J'aimerais bien partager avec vous cette dernière vidéo qu'il a publiée, et puis qui va dans le sens de ce dont on parlait, la gauche et tout. Et puis après, on rediscute. Alors, tac, elle est où la vidéo ? Elle est là. Tac. Et Maher, qui est dans les commentaires, on ne va pas t'agresser, hein, on va te laisser tranquillement. Si tu es plus à l'aise à l'écrit, tu peux parler doucement, je ne vais pas te couper la parole. Mais si tu veux intervenir, je peux te mettre le lien et tu peux monter, nous expliquer sur quoi tu n'es pas d'accord avec nous et ta vision des choses, et puis tranquillement en discuter. Avec plaisir. Si tu me dis OK, je te mettrai le lien. Jordanix. Esthétique sur sa chaîne YouTube et a évoqué mon islamophobie présumée. C'est pas possible! Je vous préviens, vraiment, je vais être très très salé, car ce genre d'accusation ou de sous-entendu, ça suffit. Bref, je vous laisse écouter ce qu'il dit et on débriefe juste après. Du coup, ça m'a amené à penser que Jordanix n'était pas du tout quelqu'un d'honnête dans son contenu, qui dit pas vraiment ce qu'il pense, qui avance un peu masqué, etc. En plus du fait qu'il fait très régulièrement du contenu qui critique fortement l'islam, mais qui régulièrement quand même dépasse la simple critique de l'idéologie religieuse fondamentaliste des islamistes rigoristes, etc. Et qui va quand même dans une critique islamophobe. J'ai vu à plusieurs reprises quand même une vibe islamophobe assez claire dans le contenu de Jordanix. Donc voilà, a priori, j'ai pas vraiment de sympathie pour Jordanix et ses positions politiques, mais on va écouter les arguments dans cette vidéo, d'accord ? Je vais peut-être être d'accord ponctuellement avec certains arguments, certaines choses que dit Jordanix. Hein. Jordanix est islamophobe et tu lui donnes du crédit ? Attends, sérieusement, tu... En fait, quand je parle, est-ce que vous écoutez ce que je dis quand je parle ? Je viens littéralement de dire ce que tu viens de dire dans le chat, Arlox. Je viens de le dire, en fait, sur mon stream publiquement. Tu peux remonter en arrière, tu peux entendre que j'ai littéralement dit la phrase que tu as dit.
Bon, je vais faire simple. Bad Mulch, je le connais. Je le connais même très bien. Hein. J'ai eu des conversations privées avec lui et j'ai vu pas mal de ses vidéos, hein, ce mec-là. Et honnêtement, hein, entre nous, il a clairement un mood de pédophile. Clairement, il est dans une vibe très chelou entre mes conversations privées que j'ai eues avec lui et ce qu'il a dit dans certaines de ses vidéos. Moi, je vous le dis, il a clairement une vibe de pédophile, ce mec. Voilà. Maintenant, après vous avoir dit tout ça, à votre avis, pour éviter que je passe pour un menteur, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? Que je fournisse des preuves de mes affirmations. Ah oui ! Ah oui ! Ouais, oui, sinon forcément, Bad Mulch va me dire que je raconte de la merde. Et il aurait raison. Parce que pour les quelques mous du bulbe qui n'auraient pas compris, hein, ce que je viens de vous dire là est faux. Hein. J'ai jamais échangé en privé avec ce mec, et non, il n'est pas pédo. Eh bien, c'est la même chose pour ce genre de propos. Une vibe islamophobe assez claire dans le contenu de Jordanix. Le mec accuse quelqu'un d'être islamophobe, hein, donc d'essentialiser un groupe de personnes et donc avoir la haine envers ce groupe, ici les musulmans, eh bien, apporte les preuves. Tu peux pas arriver comme ça et dire des dingueries à mon sujet sans apporter aucune preuve. Donc ce type-là, évidemment, bon... raconte n'importe quoi. Donc j'attends une seule vidéo de moi dans laquelle j'essentialise un groupe de personnes à cause de leurs croyances. À quel moment précis j'ai amalgamé islam et musulmans ? À quel moment précis j'ai prétendu que les musulmans étaient un groupe avec des caractéristiques précises et clairement définies ? À quel moment j'ai prétendu que les croyants étaient un groupe homogène qui ont tous le même comportement et la même façon de penser ? À quel putain de moment j'ai fait ça ? Eh ben je vais te le dire, jamais. Et pourquoi j'ai jamais prétendu ça ? Car c'est impossible. La seule chose que je peux faire si un jour j'essaie de donner une caractéristique commune à un groupe de personnes aussi hétéroclite que les musulmans, la seule chose que je peux faire, c'est me tromper. C'est pour ça que je ferai jamais ça, c'est inutile et dangereux. Sérieux, ça suffit avec vos conneries quoi. En France, il y a des gens qui sont morts à cause de ce genre de sous-entendu dégueulasse. Mais vous savez le pire dans tout ça ? C'est que j'ai pas peur. Justement, je critique l'islam car je fais confiance aux musulmans de France. Je les mets à ma hauteur, je les considère comme des adultes responsables, capables d'écouter des critiques de leurs croyances. Mais oui, c'est ça la réalité. Ces gens-là ne me font pas peur, je les considère comme des Français avant tout. C'est des putains de Français comme toi et moi. Donc je leur offre la possibilité, le droit d'écouter des critiques de leurs croyances. Ce n'est pas eux qui me font peur. Par contre, vous, Bad Mulch et toute cette sphère de gauche là, vous me faites peur les gars, hein. Car si une critique des textes est assimilée à de l'islamophobie, c'est quoi la finalité dans ce genre de paradigme ? On a le droit à combien de critiques de l'islam par an du coup ? On fait comment ? Tu le places où ton putain de curseur ? À quel moment vous allez vous rendre compte que vous faites partie du problème ? Parce que oui, il y a globalement trois groupes hein, qui sont responsables du fait que des musulmans français aujourd'hui se sentent rejetés par la société. Il y a les imams rigoristes hein, qui eux adorent faire passer le message que la France ne veut pas d'eux, que la seule chose qui compte c'est l'islam, et que si quelqu'un critique l'islam alors il critique les musulmans, donc il est islamophobe. Certains imams adorent mélanger ces deux concepts. Il y a aussi des mecs comme Pascal Praud hein, et les partis d'extrême droite qui se font un plaisir depuis 15-20 ans d'amalgamer l'islam et les musulmans hein, et qui sont tout contents hein, de se servir des dingueries qui se passent en banlieue pour dire « Ah, vous voyez hein, les musulmans en action, hein, vous voyez, hein, ah, et ben voilà, c'est ça l'islam. » Et enfin, il y a les mecs comme Bad Mulch hein, qui voient de l'islamophobie partout, même là où il n'y en a pas, et qui considèrent les musulmans comme des gens qu'il faut préserver, comme des enfants en quelque sorte. Car pour prétendre que je suis islamophobe, il faut soit n'avoir jamais vu aucune de mes vidéos, soit ne rien comprendre à ce que je raconte, soit mélanger la critique de l'islam et la critique des musulmans. Et ça, c'est ce que font tous les jours les deux autres catégories de personnes que je viens de citer. Oui, c'est comme ça. Ces trois types de comportements que je viens d'évoquer là, ça fait plus de 30 ans qu'il existe en France. Ça fait 30 ans que ces trois types de discours imprègnent la société française, confondent, mélangent volontairement ou non la critique de l'islam et la critique des musulmans. Ah sérieux les gars, on a fait comment pour se débarrasser du catholicisme en France ? Bah on l'a critiqué, sans arrêt. Est-ce qu'on s'est débarrassé des catholiques pour autant ? Bah non. C'est justement parce que ça fait 200 ans qu'on a permis aux catholiques d'écouter des critiques de leur religion qu'ils arrivent aujourd'hui à dissocier leur croyance de leur identité. Sauf que depuis qu'on a des Français musulmans, une certaine partie de la gauche refuse de critiquer l'islam et dès qu'une personne critique cette religion, on se retrouve soit avec notre tête mise à prix par quelques fanatiques religieux, soit avec des mecs comme Bad Mulch hein, qui considèrent qu'on est des islamophobes. On est de facto mis dans la case raciste islamophobe. Voilà, fin, circuler, y a rien à voir. De par votre comportement, vous prenez les Français musulmans pour des abrutis, pour des gosses, et vous participez à leur sentiment d'exclusion en les empêchant d'écouter des critiques de leur religion. Parce que oui, quand tu dis de quelqu'un que c'est un islamophobe et qu'un musulman t'écoute, à ton avis, il va se passer quoi dans sa tête ? Eh ben, il n'ira pas voir mes vidéos ou des vidéos qui critiquent l'islam, car il va continuer à mélanger sa croyance et son identité. Et ça augmentera son sentiment d'exclusion, car de manière implicite, vous sous-entendez que la critique de l'islam, c'est un truc de raciste. Et après, vous vous étonnez qu'en France, il y a de plus en plus de musulmans qui se sentent attaqués personnellement quand on critique leur religion. Mais c'est normal ! Vous-même, vous mélangez la critique des musulmans et la critique de l'islam. Vous leur avez enlevé le droit d'écouter des critiques de leur croyance. Comment voulez-vous que ces gens-là arrivent à dissocier leur croyance de leur identité si à chaque fois qu'une critique est faite, vous accusez la personne d'être islamophobe ? Si la critique de l'islam, c'est pas votre truc, ok ! À la limite, je me dis ok, ok.
mais laissez-nous faire ce qu'on fait sans nous insulter, s'il vous plaît. Mais au final, ça m'étonne qu'à moitié hein, qu'il ne comprenne pas ce que je dis, car j'ai débattu face à lui il y a quelques temps hein, concernant le fait de s'abstenir ou de voter Mélenchon, et même si, au fond de moi, je reste un abstentionniste convaincu, je pense qu'aller voter, ça ne changera rien, et ben, j'avais dit que certains de ses arguments m'avaient convaincu d'aller voter Mélenchon hein, pour les prochaines élections. Car moi, ce que je souhaite par-dessus tout, c'est que la France retrouve une intensité démocratique digne de ce nom. Je suis en désaccord, hein, vous vous en doutez, sur plein de choses avec Mélenchon, hein. Je vous fais pas de dessin hein, sur l'écologie, l'islam, tout ça, mais il me semble que c'est le seul parti en France qui pourra redonner un peu de pouvoir politique aux citoyens. Et regardez ce que lui a compris. Jordanix. Donc je rappelle Jordanix, on a une discussion avec lui sur l'abstentionnisme, sur la stratégie, sur qu'est-ce qui est dans l'intérêt de la France. Jordanix a semblé être convaincu par ce que je lui disais et a semblé admettre à la fin de la discussion que, en effet, il semble être le plus dans l'intérêt général, c'est le programme L'Avenir en Commun, c'est Mélenchon, pour quelques jours après revenir sur sa position. Et au final, en fait, il a fait une vidéo pour dire non, en fait, je crois que Mulch a tort au final, mais sans donner d'arguments, sans expliquer du tout pourquoi il a complètement changé d'avis entre ce qu'il disait dans la discussion avec moi et cette vidéo-là. C'était extrêmement bizarre comme comportement de la part de Jordanix. Du coup, ça m'a amené à penser que Jordanix n'était pas du tout quelqu'un d'honnête. C'est juste faux, j'ai jamais dit ça, il a tout compris de travers. J'irai voter Mélenchon aux prochaines élections, c'est clair. Au lieu de m'abstenir, j'irai voter, oui. Parce que la seule chose qui m'importe au fond, c'est que les citoyens puissent avoir plus de pouvoir que simplement le fait d'élire un chef une fois tous les 5 ans. Et Mélenchon, malheureusement, bah, c'est le seul à proposer ce genre de choses. Et le seul à avoir une petite chance d'être élu. Voilà, c'est tout. C'est uniquement pour ça que j'irai voter Mélenchon. Alors peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que c'est une erreur. Ouais, c'est possible. Mais de mon point de vue, moi qui suis un démocrate, oui, certains de ses arguments à Banmulch, lors de mon débat face à lui, m'ont convaincu. Mais lui, il s'invente une sombre histoire. Pourquoi? J'en sais rien. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi, je... Et toi, mon petit bonhomme? Hein? Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi? Salut Jordanix. Il est dans les commentaires. Je voulais juste rebondir sur un commentaire. Je crois que c'était Manuel qui disait je sais pas dans quel sens, mais si je me trompe, c'est pas grave. Il y a un lien entre musulmans et islam. Oui, il y a un lien entre musulmans et islam. Mais quand on fait la critique. Nous, ce qu'on fait, c'est la critique de l'islam. Parce que c'est compliqué de faire la critique des musulmans, puisque c'est par définition, c'est un groupe hétérogène et on ne pourra pas mettre la main sur un truc qui a du sens. Donc, c'est pour ça qu'on se limite à la critique de l'islam. Maintenant, on peut des fois parler de... S'il y a des études ou des choses comme ça, on pourrait parler de tendances. Par exemple, dans le monde musulman, pour l'islamophobie ou des choses comme ça. Là, ça sera au moins étayé avec des vraies preuves, des vrais arguments, des vraies études. Voilà, des études. Pourquoi vrai? Ex-muse. Bah, je me disais, en fait... À un moment donné, s'il y a des gens qui ne font pas la différence entre les idées et les gens, et que les idées sont dangereuses, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ces gens proposent? Ces gens qui disent « Ah mais non, si vous critiquez l'islam, vous critiquez les musulmans quand même. » Ok, d'accord. Mais on fait quoi si en critiquant l'islam... Tu fermes bien ta gueule. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez comme alternative? Ça veut dire qu'il faut accepter n'importe quoi parce que si ça critique des personnes, alors je ne sais pas. À un moment, ça a sa limite, quoi. À moins de trouver les idées dégueulasses qu'on dénonce, pas dégueulasses. Et à ce moment-là, il faut être honnête et dire qu'on est avec, mais pas nous dire à nous qu'on est qu'on amalgame ou je ne sais pas quoi. Voilà. Ouais. Et sinon, la dernière fois que je vais parler de ça, le mec là qui était dans les commentaires qui dit finalement il préfère répondre, il est plus à l'aise à écrire que de monter et de parler de vive voix. Ah ben même à l'écrit, frérot, on comprend pas ce que tu nous dis, Maher. Si tu nous dis t'es pas d'accord, ça va rien dire. On peut finalement juste ignorer, on peut le faire. Et je vais le faire finalement. Mais si tu as quelque chose à dire, détaille sur quoi tu n'es pas d'accord et donne des arguments. Sinon, tu ne sais ni écrire ni parler finalement. Désolé. Hein. Bon, en même temps, en tout début, c'est quelqu'un qui disait le sunnisme est la solution et tout. Donc, j'ai vu. Oui, donc je ne sais pas trop.
peut-être qu'on sera surpris, hein, voilà. Mais bon, si on démarre avec le sunnisme et la solution, je pense qu'on part pas gagnant, tu vois. Voilà, on sait jamais. Tu vois, je suspends des fois mon jugement pour espérer le mieux de la personne. Donc voilà. Mais pour l'instant, voilà. La foi est bâtie sur les 6 piliers et l'islam sur 5. Ah bah c'est bon. Tu nous as sorti le jackpot. Là, tu m'as convaincu. Oui, ça y est, moi je retourne aussi. Je vais faire la shahada. Ashhadu anna hubal huwa Allah wa ashhadu anna shikha rasulatullah. Yeah! Mon nouveau statut dans cette vie. Bah, en tout cas, c'est intéressant le concept de vibe islamophobe. Moi, la vibe islamophobe, bon, ça a l'air d'être très précis. Hein. On sent l'approche méthodologique et scientifique chez la personne. Mais si, en plus, la formulation est bien. Je sens une vibe islamophobe. Je ça sens veut une dire vibe. Que... Hey, tu sens une vibe. Il est médium. Il est médium. Tu vois, il l'a lu. Il sent que ça transpire la vibe islamophobe, oui. Raciste. Voilà. Il a du flair. Voilà. Merci Sherlock. On veut des éléments, on veut du tangible, on veut quelque chose qui soit objectif. C'est quoi sentir la vibe islamophobe? Je ne sais pas, en fait. Après, de toute façon, quoi qu'on fasse, si on dit du mal de l'islam, on est islamophobe. Moi, je n'ai aucun complexe. Alors, je n'aime pas le mot et je lançais un appel l'autre fois, mais on n'a pas réussi à trouver. Parce que islamophobe, ça voudrait dire une peur irrationnelle de l'islam. Et comme ça n'est pas irrationnel, puisque il y a concrètement des éléments totalitaires qui appellent à la destruction de l'altérité, l'inégalité qui est intrinsèque, hein, l'inégalité entre les esclaves et non-esclaves, les hommes, les femmes, tout ça. Moi, je fais appel à votre créativité. Pour qu'on trouve quelque chose à la place d'islamophobe, pour les gens qui sont forts en latin ou en grec, quel mot on pourrait coller, quel préfixe, quel suffixe on pourrait coller à islam pour parler d'une peur rationnelle de l'islam. Voilà. Avis. Islamo-lucide. Islamo-lucide, tout à fait. Bah, je l'ai déjà entendu, ce islamo-lucide, mais merci Méli Mello. Horatio, je t'ai pas entendu depuis tout à l'heure. Est-ce que t'es Horatio, là? Mayday, mayday. Viens. Ah, mais il devait manger, je pense. Il est en train de. Ah, non? Il jeûne pas. Ok, je croyais qu'il faisait un jeûne intermittent. Okay. En référence à Ibn Termettant. Ibn Termettant, oui. Neb, tu veux réagir par rapport à ce qu'on a vécu avec Florence, si tu veux ajouter quelque chose, une question que tu voulais lui poser, tu la poses et on essaie d'y répondre tous ensemble. Bah, personnellement, je n'avais pas vraiment une question à lui poser, j'ai surtout bu tout ce qu'elle disait, je l'ai bu. J'avais l'impression d'avaler un grand verre de Florence Bergeau-Blaclair, c'était hyper intéressant. C'est vrai qu'il y avait une question au tout début, je trouvais intéressante. C'était Olivier Magnifique qui avait demandé comment expliquer le soutien de l'ONU et l'Union européenne à l'islamisme. Moi, je crois surtout que c'est l'argent qui fait que l'ONU et l'UE soutiennent l'islamisme, je pense. Il y a aussi, je crois qu'à l'ONU, il y a... comment ça s'appelle? Attends, c'est quel pays? L'Iran? Tu parles de la Commission des droits de l'homme? Non, pas la Commission des droits de l'homme, hein, l'ONU. Hein. Mais je sais qu'il y a des pays qui sont plutôt influents là-dedans. En tout cas, bref, c'est vrai que ça aurait été intéressant. Et puis en plus, pourquoi je lui ai demandé comment elle voit aussi le futur? Parce que mine de rien, les actes antisémites, tout ça, bon, ça fait du bruit. Qu'on voit des musulmans, tu sais, les prêches, les imams et tout ça, ça fait du bruit.
Donc, eux, ils peuvent se montrer, ils peuvent se permettre de se montrer. Nous, derrière, bon, bah, on est obligé de œuvrer anonymement, mais en fait, on œuvre aussi, mais en sous-marin. Et j'ai l'impression que l'apostasphère grossit, et que bah, en fait, c'est limite, on arrive à un niveau pareil que les prêches, enfin que l'islam en fait. On commence un petit peu à prendre un peu de plus. Tu penses pas? Ah d'accord. Oh, j'aimerais bien que ça soit vrai. En fait. J'aimerais bien que ça soit vrai. Mais clairement, les prêches et les chaînes YouTube de prosélytes musulmans croyants en général nous explosent en termes de chiffres, en termes de millions et de milliards de vues et de visibilité. Je suis d'accord sur une tendance à la hausse concernant la parole des apostats et la critique de l'islam. Ça, on est d'accord. Ouais, et puis même, il y a des femmes qui commencent à se dévoiler, il y a des personnes qui commencent un petit peu à émettre des doutes. Bah, rien que déjà, quand tu vas sur les lives TikTok déjà de Jack Le Fou, tu vois, il y a des personnes qui viennent. Tu sens que ces personnes-là, elles sont en recherche de réponses. Bien sûr, il y a la dissonance cognitive qui est présente, mais voilà. J'ai envie de te dire que ça commence à faire son petit bonhomme de chemin et que j'ai l'impression que je vois beaucoup plus ça que il y a quelques années. Et même moi, au boulot. On va dire que je me permets de dire que j'ai apostasié en fait. Mais après, bien sûr, comment je le dis, on en parle et tout, je ne vais pas tout de suite dans la critique, je ne vais pas tout de suite dans les débats ou quoi. Mais j'ose maintenant dire oui, mais non, mais moi, j'ai quitté l'islam. Et qu'on me dit ah bon et tout, comment ça se fait? J'ai lu les textes, tout ça, et c'est pas pour moi. J'aime pas le couscous. J'aime pas le couscous, c'est pas pour moi. J'en ai marre du macroute. C'est ce que disait Florence. Bien sûr, ça passera par plus démocratisation de l'apostat. La démocratisation du maghrébin, du rebeu non musulman. Et ça, c'est clair. C'est certain. Oui, la normalisation, voilà. Des pronostics, on n'est que dans cette phase-là, en fait. Et comme pour tout, notre part, c'est au moins de faire ça. Après, il faudra des relais, il faudra des courageux politiques. Quand on pense à, par exemple, ce qui se passe en Iran, toute proportion gardée, il y a une très grande partie de la population qui est athée, ou en tout cas qui a délaissé l'islam. Ça fait plus d'un an que les gens se rebellent et manifestent, mais la répression ne diminue pas. Et ça fait que pour l'instant, ça aboutit à rien de concret officiellement. Il y a des femmes qui transgressent, mais qui subissent la police des mœurs, qui utilisent toutes les technologies avec les reconnaissances faciales et compagnie pour les retrouver. C'est-à-dire que certes, il y a la mobilisation et après, il y a le degré de répression. Et quand ce n'est pas une dictature comme l'Iran, un régime comme l'Iran, qu'est-ce qu'il y a comme relais politique audible, réel, qui s'empare de cette cause-là? Et après, démographiquement, qu'est-ce qu'on représente? Sûrement pas grand-chose, mais par rapport aux valeurs, ce qu'on dénonce est très important. Est-ce qu'il faut pour ça qu'on soit des millions, ou est-ce que ça suffit qu'une partie de la population qui alerte sur le danger que risque la République, on parle de la France là, et ses valeurs, est-ce que c'est suffisant? Mais c'est vrai qu'après, moi, Est-ce que c'est suffisant? En fait, il y a un essai, l'essai de Dawkins, où il parle de ça, des 40%. Il en a parlé, Jack Le Fou. Des 40% qui permettent la bascule. Et dans ces 40%, clairement, tu ne vas pas
penser qu'aux apostats, aux ex-musulmans. Ou... Non, tu vas mettre dedans tous ces gens-là, même des musulmans modérés qui rejettent les coranistes, les dribbleurs professionnels, tous ces gens-là qui rejettent justement le côté politique, le côté inhumain, les peines, les trucs. Ces gens-là, tu peux les mettre dans les 40% qui vont faire la bascule. Parce que le problème, c'est que le jour où tu iras demander, où il y aura un vote à faire quelque part dans un pays, que ce soit en France ou un truc, il faut qu'il y ait ce chiffre qui permet la bascule. Sinon tu es vraiment mal. Voilà. Sinon, tu es vraiment mal. Et la seule chance, c'est ça. C'est justement continuer à parler pour créer ce, même si on est minoritaire, pour créer justement un mouvement qui fait la bascule. C'est 40%. Donc pour l'instant, on y travaille, quoi. Voilà. Tu avais des choses à exploiter. Est-ce que Horacio, t'es revenu ou tu fais une orgie de bouffe là? Parce que je sais que tu devais faire une pause déjeuner là, mais il revient pas. Ça se trouve, il est. Il va revenir, il va dire. C'est avec un gigot à la main. C'est ça. Ouais. Alors, il y avait d'autres points. Oui, concernant ce que disait Neb, j'allais poser aussi la question sur les perspectives contre la supra-identité musulmane. Et elle a partiellement répondu en parlant des apostats. Mais je pense qu'il faut aussi que certaines gauches se réveillent quand leur mette de l'oignon. Tu sais, le truc traditionnel qu'on fait quand les gens tombent dans les pommes au bled, on leur met soit les clés dans la main, soit on leur met des oignons dans le nez. Je pense qu'il faut qu'on fasse à la gauche la même chose, tu vois. J'avais oublié les oignons. Je me rappelle de la clé, en fait. Ouais. Voilà, il faut qu'on les réveille parce que franchement, là, ils se sont endormis pendant très longtemps. Il y a même limite une vibe, pour utiliser le langage de notre expert de gauche, il y a une vibe sectaire dans la gauche qui ne permet pas la remise en question et qui garde le même discours et qui avale le même discours, un certain discours. Et dès qu'il y a une critique, la nôtre, c'est de suite... en fait, ça suit l'entonnoir qui mène tout directement soit à la poubelle, soit à, je vais dire, islamophobe. Mmh, et sinon, oui. Le reste du discours, c'est celui qui est interne à eux, comme une secte. Et je l'entends régulièrement. En fait, il y a des gens, tu as l'impression qu'ils ont posé leur cerveau à côté et ils te ressortent les mêmes phrases que tu as déjà entendues plusieurs fois, inconsciemment. Mais... Julie, tu nous dis qu'il faut aller sur les chaînes de gauche. Tu crois qu'on a la clé? Tu crois qu'on rentre la chaîne de... Tu crois que ça les intéresse, les chaînes de gauche? Enfin, je ne sais pas, avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est bien ça notre problème. La gauche, on n'a rien à secouer de la dérive, de l'islamisme. Pour l'instant, les seuls politiques qui nous courtisent, ils sont à très, 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 très à droite. Et c'est tout. Il n'y a qu'à aller chez les chaînes de gauche. Mais oui, bien sûr. Mais clairement, on ira là où on nous invitera. Il n'y a pas d'exception. Peu importe. Bon, après. Si c'est juste pour donner notre avis, s'exprimer, on ira là où on nous tendra le micro. Voilà. Je ne parle pas de rejoindre un parti politique ou je ne sais pas quoi, oui. Ça c'est autre chose. Mais si on nous tend le micro, on ira là où il y a un micro. Je pense que ça va moi, personnellement, j'aimerais bien enfoncer les portes. Vas-y, excuse-moi. Moi, je voulais simplement dire que moi, personnellement, j'ai envie d'enfoncer des portes. Parce qu'on aura beau faire, j'ai l'impression que quoi qu'on fasse, on ne veut pas nous voir. Et ben moi, je vais faire mon nécessaire pour qu'on puisse au moins, pour qu'on puisse être vu, entendu. Moi, je veux qu'on, surtout en ce moment, j'ai envie de leur dire oui, on est là, on existe, voilà ce qu'on fait, voilà ce que nous, on souhaite. Voilà, bien sûr, je ne vais pas non plus aller casser ou envoyer des bombes ou quoi que ce soit. Mais je suis désolée, je vais faire mon nécessaire, en tout cas, moi, si je
je peux, je ferai mon nécessaire pour dire que, hé, on est là, voilà ce qu'on est, voilà qui on est, et voilà ce qu'on fait. Voilà, pardon, hein, j'en ai marre que d'un côté, il y a du prosélytisme, et que de l'autre côté, bah, il y a du silence. Ou alors des yeux fermés, des œillères, ou non, mais ça, vas-y, ils sont pas musulmans, c'est pas une minorité. Enfin, voilà, on s'en fout. Pour l'instant, eux, on s'en fout. Ouais. Voilà. De toute façon, c'est des traîtres ou quoi, ou qu'est-ce. Non. On est là, malheureusement, à cause de certaines, de cette religion, on peut même pas la ramener avec nos visages. Non, je suis désolée, non, je peux pas. Moi, je peux pas. J'ai besoin, même pour la génération future, surtout que là, le temps, comme j'ai dit, le temps est propice et je vais faire mon nécessaire pour que on puisse entendre parler de nous et pas qu'un peu. Mais ben merci. Pardon, j'ai levé le poing un peu trop. Non, clairement. T'as bien parlé, quoi. Vas-y, Muse. Je disais merci à Julie qui disait qu'elle essaierait de communiquer avec ceux qu'elle connaît. En fait, ces médias de gauche, ces chaînes de gauche qu'elle nous conseille, en tout cas. Et évidemment, on voit bien depuis le 7 octobre qu'il y a un intérêt, moi je trouve, nouveau encore par rapport aux ex-musulmans. Toujours par le même bord politique pour l'instant, mais étant donné qu'il se déroule sous nos yeux des choses sur lesquelles on avertit depuis pas mal de temps, peut-être que relancer des gens qui nous ont ignorés il pourrait se passer des choses qui ne sont pas passées il y a un an parce que l'apostasie ou l'ex-musulmanie en était pas où elle en est aujourd'hui. Peut-être, mais c'est sûr qu'on part pas gagnant parce que c'est pas très bankable, c'est en plus risqué à plein de niveaux différents. Mais on a des rouleaux compresseurs comme Neb qui fait qu'on a pu aujourd'hui être là chez Amir avec Florence Bergeau-Blaclair. Et donc voilà, en coulisses, pour ceux qui nous regardent et qui nous suivent, il y a plein de gens, il y a plein de petites mains qui font des choses qu'on ne voit pas forcément. Et puis de temps en temps, sur une chaîne, vous avez l'aboutissement. On a vu ça aussi le jour de l'Apostasy Day qu'on a fêté et dont le live est toujours sur la chaîne d'Amir. On avait fait un live marathon de 9h avec des invités exceptionnels et ça a été l'aboutissement de quelques mois de travail pour tout mettre en place. Donc, il y a plein de gens qui sont sur le terrain. On appelle ça les petites mains et c'est un peu ingrat. Mais voilà, chacun contribue comme il peut et au bout d'un moment, ça sera inévitable de faire face, quoi. Mais on ne part pas avec des atouts. C'est-à-dire que des fois, vous prenez des paris qui sont probables de gagner, en tout cas à moyen terme. Nous, on prend juste un pari, on sait qu'on n'a pas choisi celui qui va gagner facilement. Ce qui est bankable aujourd'hui, c'est d'être islamophile, c'est d'aller pleurnicher et de faire de la victimisation. Ça, on sait que ça marche. Ouais. Et même avec tout ce qui se déroule comme excès d'antisémitisme, de machin, ça fonctionne quand même de dire, par exemple, ce qu'a fait l'imam de la mosquée de Paris cette semaine, de dire que les premières victimes de racisme en France sont les musulmans, et quand on regarde les chiffres, c'est les derniers, en fait. On parle des agressions racistes, hein, parce que maintenant que des gens ils vous regardent de travers parce qu'ils n'aiment pas votre couleur, je veux dire, c'est la même chose quand des musulmans, ils me croisent moi, apostate, est-ce qu'il faut compter tout ça ? Mais pour ce qui est des agressions qui sont recensées, c'est, en même temps, c'est logique, parce que si vous agressez un juif ou un chrétien, vous avez quand même un peu moins peur de vous faire casser la gueule. C'est pas pour rien qu'on est masqué. Hein, si j'étais anticléricale, on l'a vu, la démonstration, c'est chez Zioclo, avec le gentil Thierry qui crache sans hésiter sur le christianisme et qui ne peut pas se prononcer par rapport à l'islam. C'est pour ça qu'on est masqué, parce qu'on sait que le risque est plus grand de toute façon et que ça aura moins de succès. Mais bon, comme on n'a pas décidé de se lancer là-dedans pour percer dans le showbiz, hein, ça devrait aller. Hein?
Alors, clairement, j'aimerais bien donner la parole à Horacio, parce que là, ça ressemble à une clôture, et ça serait bien. On a fait 2 heures. Gardons le truc bien serré, bien cadré. C'est très bien pour un live. J'aimerais bien donner à Horacio la parole, et puis clôturer, finir vite fait. Ah, merci. Bon, alors, yes, sir, always here. Désolé, je crevais la dalle là, il fallait que je mange un ours. Alors, j'ai pas trop suivi, mais c'est vrai que l'interview, en fait, alors, pour revenir avec Florence Berger-Blackler, c'est toujours très, très intéressant sur le plan intellectuel. Je pense qu'on peut voir. En même temps, c'est une chercheuse doctorante, anthropologue, et elle a une vue de la situation qui est relativement clairvoyante et, sa posture neutre, parce que je pense pas qu'elle soit orientée politiquement, et puis même ça permet d'apporter beaucoup d'éclaircissements sur des questions que des gens vont se poser ou pas, et ça permet d'amener aussi des gens à un certain niveau de compréhension face à des phénomènes sociaux qui peuvent échapper à certains. Donc c'est important de faire intervenir ce genre de personnages médiatisés et de mentionner justement leurs travaux littéraires. Après, pour la bataille des ex-musulmans et des apostats en général, quelle que soit la religion, bon là on est dans le cadre de la sortie de l'islam, elle avait tout à fait raison et c'est quelque chose que j'avais identifié depuis un moment. Ça dépendra exclusivement de toute l'énergie en fait qu'on va déployer. Et je pense qu'en 1 an et demi, 2 ans, on a énormément vu la différence en termes de visibilité dans l'espace qui est toute la médiasphère, les réseaux sociaux. Et ça compte. Donc il faut jamais se dire que parce que des fois on aura des batailles qu'on va perdre, hein, des micro-batailles certainement parce que on n'a pas eu la bonne approche ou notre stratégie elle n'était pas forcément meilleure que celle du camp d'en face. Mais il faut continuer parce que on a déjà une forme de résultat qui apparaît. Il y a des apostats en fait qui comprennent, enfin il y a des musulmans qui comprennent que l'islam véritablement c'est un problème. Il y a des personnes en fait à qui on ouvre les yeux sur la réalité de ce qu'est l'islam, que ce soit des musulmans sociologiques, des gens qui sont pas du tout religieux et qui ont besoin juste de comprendre ce qui se passe autour d'eux, parce que nous on a le vécu et à tout niveau différent et en fonction de la trajectoire de vie. Donc le travail il est salutaire, il faut jamais jamais baisser les bras. Comme je le disais en fait à Momo lors de ma toute première interview, c'est vraiment c'est un travail de longue haleine et c'est presque une vocation. Donc on a ce qu'il faut, on a les ressources intellectuelles. Il l'a dit, on n'est pas forcément par le nombre, mais c'est pas le nombre qui compte. Et il y a même un hadith de chez nos amis les muses là qui disent que c'est la qualité qui compte, c'est pas la quantité. Donc moi, je tiens quand même à vous remercier à tous, à toutes d'être venus parce que c'était super, super intéressant de pouvoir échanger aussi avec vous, de vous voir et d'avoir pu faire un petit brainstorming avec Madame Berger-Blackler. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions de le faire parce que c'est super intéressant. Et puis l'énergie qui se dégage de ça, la motivation et l'appel en fait aux autres personnes qui sont touchées par l'islam de près ou de loin, ça porte ses fruits. Voilà, voilà. J'espère que j'ai pas été trop long. Et bon week-end. Parfait, parfait. Juste un dernier mot. Vous n'avez pas besoin de parler arabe. Vous n'avez pas besoin d'être un ex-musulman. Peu importe si vous vous sentez concerné, et ça m'étonnerait que les gens ne soient pas concernés par l'avenir de leurs enfants, de leur société. Si vous pensez que ce qu'on raconte, c'est pas des conneries. Je pense que tout le monde a sa place, comme disait tout à l'heure Sheikha concernant Neb et plein d'autres personnes. Il y a plein de moyens d'aider parce que je sais qu'il y a des gens qui disent « Ah non, moi, je ne me vois pas aller sur une chaîne en live, je ne me vois pas montrer mon visage, je ne me vois pas. » Mais il y a plein d'autres choses qui nous permettent, nous, d'avancer plus facilement, d'une meilleure manière, d'améliorer la qualité, d'avoir plus de contacts. Donc, Julie, c'est ça que tu disais, Muse, c'est ça ? Qui était dans les commentaires, qui nous disait des chaînes de gauche. Peu importe, toutes ces petites actions peuvent nous aider. N'hésitez pas à nous solliciter, soit comme ça au live, ou via les réseaux Twix, TikTok, ou sinon via Discord, si vous êtes vraiment impliqué dans le truc. Et surtout, si vous êtes vous avez besoin aussi de soutien en tant que ex-croyant, ex-musulman, apostat. N'hésitez pas. On a besoin de plus de monde, même si on a déjà suffisamment de force et on va y arriver. On y croit à fond. Et voilà, parce que moi, je ne sais pas faire autrement. Moi, je ne saurais pas faire autrement. Donc, je fais comme ça.
Donc, on va continuer, hein, Muse. Oui, on va continuer. Maintenant, en plus qu'on est dans cette dynamique, j'ai envie de dire, c'est comme toi, je ressens vraiment cet impératif. Je ne vois pas comment on peut faire autrement, en fait. Donc, tant qu'il y a de l'énergie, tant qu'on peut, parce qu'évidemment, on n'en vit pas hein, de notre militantisme. Donc, il faut pouvoir concilier tout le reste. Mais j'ai envie de dire, quand on était seul au monde et moins nombreux, on l'a fait. Et aujourd'hui, avec toute cette vulgarisation, avec toutes ces chaînes, entre autres, et puis même cet intérêt de la part d'acteurs, en tout cas sur les réseaux sociaux, qui sont dans la pensée critique, dans le scepticisme, qui s'intéressent à ce qu'on raconte, on est sur une autre étape et ce n'est pas le moment de lâcher. Donc, on ne lâchera pas. Et puis, on a plein de choses dans les tuyaux. On n'a pas suffisamment de temps parce que pour l'instant, moi, je ne reçois pas d'échec du Qatar pour pouvoir faire ce qu'on fait. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont dans les tuyaux et qu'on peut réaliser qu'avec le temps qu'on a. Entre autres, bientôt sur ma chaîne, je publierai une interview que j'ai faite il y a maintenant un peu plus d'un mois avec Jack Le Fou. Il était juste au tout début de cette ascension-là qu'il est en train de se passer avec ce qu'il apporte à l'ex-musulmanie. Et puis d'autres avec d'autres personnes surprises. Et puis, on continuera de ponctuer de toute façon. Allez, à supposer qu'il ne se passe rien, on a quand même des dates, voilà, des Blasphemy Day, des Apostasy Day, des Halloween, ça sera, on va dire, le minimum. Et puis, des choses exceptionnelles avec des auteurs comme Florence, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous, et qui, vraiment, moi, je trouve que ce travail de vulgarisation de l'islamisme à travers les frères musulmans, mais l'islamisme de façon plus générale... Surtout d'une manière académique. Surtout oui, d'une manière voilà. Académique. Donc, pas avec de « je sens la vibe », tu vois. Je sens la vibe de l'islamisme. Ce n'est pas l'approche du docteur. Donc voilà, je pense qu'on passe des étapes. Et puis, elle est sous surveillance, hein, puisqu'elle a levé des vérités qu'il fallait continuer de cacher. Donc, le meilleur est à venir. Sous protection. Oui, pas sous surveillance. Oui, certainement protection. Aussi. Certainement aussi. De l'autre côté, il doit y avoir de la surveillance. Voilà, mais en tout cas, elle est sous protection. Oui, voilà, exactement. Donc voilà, merci à tous. J'espère qu'on a été à la hauteur de vos attentes. Et puis on sur ça, je m'en bats les steaks, hein, à la hauteur, je sais pas. Moi, je fais ce que je fais, je sais faire. Voilà. On essaie de s'améliorer. N'hésitez pas à nous envoyer vos feedbacks. Mais on fait comme on peut. Hein. Voilà, c'est pas. Et juste pour. Puisque tu étais dans la minute promo, les prochains. On va essayer, en tout cas, dans la liste des choses qu'on aimerait aborder, il y a un deuxième volet sur la circoncision qu'on aimerait faire. Soit il sera sur la chaîne de, j'espère, La Tronche en Biais. Soit on va le refaire sur une de nos chaînes. J'aimerais bien aussi faire un live mais avec un expert de l'Ancien Testament et Nouveau Testament, qu'on fracasse un peu aussi le christianisme et qu'on le compare avec nos critiques des textes islamiques. J'aimerais bien, c'est un sujet qui est dans le panier. Et il y avait un autre truc, Shekha, rappelle-moi, je sais pas s'il y avait un autre truc. Le djihad aussi. Donc voilà, ça c'est les sujets qu'on aimerait aborder. Et puis j'aimerais bien qu'un jour on fasse un petit live où on invite tous les apostats qui parlent via des chaînes, les invités autour d'un sujet et que chacun s'exprime peut-être concernant les perspectives et qu'est-ce qu'on pourrait faire en commun. Pour donner encore plus de visibilité via une campagne ou quelque chose. Voilà. Ouais. En tout cas, merci d'avoir suivi ce live. Merci à votre participation à tous, que ce soit dans les commentaires, que ce soit dans l'organisation Neb, Horatio, Melo et Muse. Et à très bientôt.
À bientôt, merci, bye bye. Et comme dit l'autre, et toi, t'en penses quoi, petit bonhomme? Yes, a pleasure. Have fun. Ex-Muslims, le sarche des apostats. On ne peut pas se répondre. C'est pas ma mission, c'est pas la vôtre en doute. C'est une sunna, alhamdoulilah, mais stop, lui qui dit que c'est bon, c'est un menteur. Sors-moi les derniers qui disent ça. Tu te fous de qui là? Je suis désolé, tu sais rien. Ex-Muslims. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va juste croire que c'est bon. Je suis désolé, tu sers à rien. Ex-Muslim. Je suis désolé, tu sers à rien. Ex-Muslim. Ex-Muslim. Mais il est où le tronc d'Allah? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va juste croire que c'est bon. Ex-Muslim. Donc moi, je pense pas que le créateur de cet univers a choisi ni Momo, ni Lascar pour délivrer.